Mes chers collègues, nous accueillons à présent M. Jean Lapère, directeur juridique de la Fédération française de football. Monsieur, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre disponibilité pour répondre à nos questions. Nous avons entamé les travaux de cette commission d'enquête sur l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des Fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif le 20 juillet dernier. L'Assemblée nationale a décidé de sa création à la suite de très nombreuses révélations publiques de sportives et sportifs et de diverses affaires judiciaires ayant trait à la gestion de certaines fédérations. Nos travaux portent sur les violences physiques, sexuelles et psychologiques dans le sport, les discriminations sexuelles et raciales et les problématiques liées à la gouvernance financière des organismes de gouvernance du monde sportif. Monsieur, vous êtes entré à la Fédération française de foot. En 1994, pouvez-vous nous préciser les différentes fonctions que vous y avez exercées À partir de septembre 2022, comme vous le savez, des articles de presse ont fait état de graves difficultés de fonctionnement au sein de la Fédération française de foot. Les faits évoqués portent sur la gouvernance et le management de la Fédération et sur des faits de harcèlement ou ayant trait à des violences sexuelles et sexistes au siège de la Fédération comme au Centre national du football de Clairefontaine. Un rapport de l'EGSR, dont une synthèse est publiée en février 2023, fait le constat d'une gouvernance défaillante avec une directrice générale aux méthodes brutales et aux comportements jugés erratiques. Je cite toujours un président dont les dérives de comportement sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions et l'exigence D'exemplarité qui leur est attachée. Je cite toujours une politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, dont le réseau fédéral, ni efficace, ni dans le réseau, pardon, ni efficace, ni efficiente. Dans un bref propos liminaire, pouvez-vous revenir sur ces dysfonctionnements, sur lesquels notre commission a déjà eu l'occasion d'interroger différents représentants de la Fédération? Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ une heure, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire je le jure après avoir activé votre micro. Donc vous avez la parole pendant 5 dix minutes, et ensuite nous aurons des questions à vous poser, s'il vous plaît. Très bien, merci beaucoup. Euh, je voudrais juste tout de suite rectifier une petite erreur en ce qui concerne mon arrivée à la Fédération. Malheureusement, ça ne m'aide pas vu l'âge que j'ai, mais ça en rajoute encore, puisque je suis arrivé à la Fédération en 1980, 1er janvier 87, et non pas 94, vous voyez, ça me rajoute 7 ans, donc c'est pas forcément sympathique pour moi. Euh, néanmoins, ça me permet d'insister quand même, donc justement, sur ce, ce, ce parcours et cette ancienneté que j'ai à la fédération. Euh, mais euh, ce n'est pas la seule expérience de foot que j'ai, puisque avant d'arriver à la fédération française de foot, euh, j'ai travaillé au service licence de la Ligue de Paris pendant cinq ans. Donc euh, un niveau beaucoup plus bas, mais riche justement en expérience. De foot de bas niveau. Et également, je m'enorgueillis d'être licencié dans un petit club de l'Essonne euh, depuis 1966, date de sa création par mon papa et d'autres personnes. Et j'en suis cette année donc à ma 57e licence euh, joueur dirigeant de ce club-là. Euh, tout ça pour vous dire que je ne suis pas seulement un technocrate euh, fédéral, mais que le foot de base, euh, je le pratique, je l'ai pratiqué euh, au jour le jour, avec toutes les difficultés que constitue euh, le fait de faire tourner un, un club où il y a quand même 450 licenciés, avec des revenus qui sont de, de, de moins en moins importants, puisque euh, les subventions ont baissé, euh, les sponsors également. Et voilà, c'est aussi cette vie de la base qui m'a aidé dans ma fonction de fédéral. Ce que je voudrais dire également maintenant, pour en revenir plus à la fédération, c'est que je suis donc directeur juridique et également directeur général adjoint. En fait, mon mon travail essentiel consiste donc à traiter tout ce qui dépend des compétitions nationales et de leurs conséquences et environnements juridiques. Voilà, je ne suis pas le juriste de toute la fédération dans tous les domaines. Mon domaine d'intervention est bien circonscrit au cœur du métier de la fédération, c'est-à-dire les compétitions et ce qui va avec, c'est-à-dire malheureusement incidents disciplinaires, réserves réglementaires. Euh, transferts internationaux, agents sportifs, voilà, le, le cœur du métier et que ça, euh, je n'ai pas vocation à m'occuper de tous les problèmes juridiques de toute la fédération. Elle a la chance d'être une grande fédération et donc d'avoir des spécialistes, je pense par exemple aux ressources humaines, qui a en son sein des juristes spécialisés en droit du sport. Euh, qui eux s'occupent des dossiers euh, de, qui concernent tout le, le droit du travail. Voilà. Euh, C'est à peu près ce que j'avais à vous dire sur, euh, voilà, sur mon, mon cursus euh, jusqu'à présent. Juste pour revenir, vous êtes donc entré à la Fédération en 87, vous avez été décrit. Par de nombreuses personnes comme une personnalité incontournable à la fédération. Et pouvez-vous nous présenter votre parcours au sein de la fédération française de foot Oui, alors incontournable, c'est très gentil pour moi, c'est flatteur, c'est c'est pas forcément la réalité. C'est pas moi qui décide à la Fédé, j'ai jamais décidé. Je suis là pour aider les commissions dont j'ai la responsabilité. Encore une fois, qui tournent autour du cœur du métier, c'est-à-dire des commissions réglementaires, disciplinaires, commissions des agents, euh, commissions de contrôle de gestion des clubs, et faire en sorte que euh, l'apport technique qu'on apporte à ces membres là ou aux instances euh, dirigeantes soit euh, les plus appropriés, euh, réglementairement, légalement parlant, pour euh, faire en sorte bien que ces décisions, euh, et vous le savez, qui peuvent ensuite être contestées, devant les tribunaux administratifs, et eh bien, soit le plus sécurisé possible pour que euh, nous ayons un taux de réussite euh, de, devant les tribunaux bah, qui soit le, euh, le plus important possible. Voilà. Euh, donc, l'évolution que j'ai eue au sein de la Fédération, je suis rentré... Euh, quand je suis rentré, bah, si j'étais le premier juriste. Il n'y avait pas du tout de juriste. La Fédération, à cette époque-là, avait commencé à comprendre qu'il fallait... Euh, sécuriser bon nombre de, de, de procédures et euh, avait décidé de faire appel à un juriste et comme j'avais à la fois les diplômes requis et l'expérience que j'avais eue à la Ligue de Paris euh, j'ai donc été pris dans cette mission et ben, mon travail pendant des années ça a été de construire ça, ça, la direction juridique qui est celle de maintenant en m'entourant donc de compétences de spécialistes pour faire face à la judiciarisation croissante euh, que malheureusement, pas seulement le foot ni le sport, mais toute la société euh, connaît ou a connu. Voilà, donc je suis rentré comme euh, chef de service. Ensuite, j'ai été nommé directeur, euh, directeur général adjoint, et, et puis c'est tout. Voilà. Mais je, encore une fois, euh, je suis un salarié comme les autres directeurs, alors c'est vrai que euh, le travail que j'ai c'est le cœur du métier donc évidemment c'est la plaque tournante euh, de la fédération et qu'on est euh, beaucoup sollicité par ce que ça représente euh, et qu'on en parle plus évidemment on va parler plus d'une décision euh, lorsqu'il y a eu des incidents lors en match que, euh, d'un problème informatique qu'il y a eu euh, à la fédération. Voilà, c'est uniquement ce qui fait la différence entre moi et mes autres collègues euh, directeurs. Et pouvez-vous nous présenter les missions de la direction juridique de la fédération et combien comptez-vous de collaborateurs Alors à l'heure actuelle, nous sommes 20 et euh, cette direction est scindée en trois, trois services. Donc, il euh, y a la, le service de contrôle de finances des clubs qu'on appelle la DNCG dans la, pour la fédération. Ensuite, il y a un, un service juridique que je qualifierais de, de commercial. C'est un petit peu la, la protection de, de nos, notre marque, nos logos, euh, tout ce qui est un petit peu commercial. Et enfin, le, 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 le gros de la troupe, si j'ose dire, c'est qui, qui représente la moitié des, des troupes. C'est ce fameux service qui gère de tous les problèmes et problématiques et procédures et contentieux liés à l'organisation des compétitions et des matchs. Et donc, avec ce que je vous ai cité tout à l'heure, en plus, donc tout. Tout ce qui concerne la qualification des joueurs, l'enregistrement des contrats des joueurs, les transferts internationaux, euh, toutes les problématiques liées aux agents sportifs, euh, euh, les commissions euh, disciplinaires, commissions réglementaires, commissions d'appel, voilà, mais liées au cœur du métier, c'est-à-dire euh, le football et les matchs. Et avez-vous avez déjà fait l'objet d'accusations de sexisme, de machisme au sein de la Fédération Et comment y avez-vous répondu bah Écoutez, euh, par presse interposée, si on peut appeler la presse, euh, une ou deux fois, euh, il paraît que j'aurais euh, eu des propos plus que déplacés envers des femmes. Euh, très honnêtement, euh, j'ai euh, toujours nié euh, ce, ce, enfin, ce, ce qu'on me reproche. Je n'ai pas une éducation à aller vers ça. J'ai été éduqué par un papa qui a fait toute sa carrière dans la, la Marine nationale, avec euh, des valeurs euh, très affirmées, et que j'ai essayé moi-même de reproduire envers mes enfants. Donc euh, franchement, ce n'est pas du tout, du tout dans, dans ma façon de faire. C'est évident. Vous dites que vous avez eu écho de, de ces témoignages via la presse, euh, que par la presse Vous n'avez jamais eu euh, de, de situation euh, en, à la fédération ou à l'extérieur pour rapporter ces propos Alors, jamais ça a été euh, rapporté directement ou avec euh, les, les gens qui euh, auraient euh, été témoins ou quoi que ce soit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que... Euh, si on fait référence à des situations réelles, il y a eu deux situations dans lesquelles, euh, à un moment donné, n'étant pas d'accord avec les personnes, bah, alors c'est à la fois une qualité, un défaut que j'ai, c'est la franchise, euh, donc on n'était pas d'accord, on s'est expliqué, mais ça n'a jamais dépassé euh, des, euh, enfin, la, la correction nécessaire à, à tout le langage. Par contre, oui, quand on n'est pas d'accord, on, on le dit. Mais franchement, ça n'a jamais dépassé les limites euh, de, par rapport au langage employé. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur ces deux situations et le, le langage employé bah, Écoutez, le langage employé, euh, il y en avait une, c'était par rapport à une réunion en CODIR où on était ensemble avec les directeurs et directrices, et euh, donc euh, par rapport à un problème informatique euh, qu'on était en train de développer dans une ligue. Euh, il se... Donc, la, la, cette directrice racontait des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord, puisque j'avais moi-même des sources de ces ligues-là et que je savais très bien que ça n'allait pas comme elle le disait. Donc, je me suis un peu permis de lui dire que ce n'était enfin, pas vrai, que c'était. Euh... Inexact ce qu'il en était et voilà moi j'ai pas se souvenir d'autre chose et ça a pas duré ça a duré trois minutes c'est tout hein. pas plus pas moins ça c'était la première situation la deuxième qui a été rapportée aussi c'est lors d'un comex où je sais pas comment c'est venu sur la table il y avait une discussion sur des nominations de membres de commission je crois euh, où euh, la secrétaire générale disait qu'il fallait euh, euh, que des jeunes euh, et qu'il fallait en, enlever les vieux grosso modo des, des instances, il y en avait trop. Bon, voilà, je me suis permis euh, euh, d'intervenir en disant que c est, c est le jeunisme, ce n'était pas forcément euh, une bonne position adoptée, qu'il y avait des bons euh, d'un côté et de l'autre. Et euh, ce à quoi d'ailleurs Noël Le a assurant Chéri en disant bah, euh, oui je vous remercie euh, parce que évidemment euh, vu mon âge c'est sympa ce que vous dites voilà et puis ça s'est arrêté là mais encore une fois euh, ça, ça a duré mais, mais même pas une minute et puis sans sans enfin il n'y a pas eu d'esclandre euh, ou quoi que ce soit quoi c'est c'est tout voilà donc si on doit faire référence à ça c'est les deux seuls exemples pour lesquels éventuellement euh, les gens euh, ont pu euh, raconter des choses. Mais encore une fois, la réalité, euh, ce pas celle-là. En 30 ans, 35 ans j ai, j ai pas 40 calculé. ans, vous pouvez aller jusqu'à 40. Jusqu'à 40, à la Fédération française de foot. Avez-vous été témoin de comportements sexistes Non, jamais. Jamais, jamais. Donc euh, vous nous indiquez que vous n'avez jamais été témoin d'aucun propos sexiste ou, euh, pendant les 35-40 ans où vous étiez à la Fédé. Pourtant, on a reçu plusieurs personnes ici euh, dans le cadre de cette commission et puis il y a plein d'articles de presse, notamment sur le comportement de M. Noël Legrette, qui, est, qui était président de, de la FFF, que ce soit euh, Madame Enriquez qui nous a parlé de blagues graveleuses. Euh, euh, en réunion et il y avait des personnes qui étaient présentes euh, que d'autres femmes qui ont témoigné contre des comportements euh, je vais utiliser le mot inapproprié parce que c'est ce qui est utilisé depuis ce matin euh, de monsieur Noël Legrette et donc vous me dites que vous n'avez jamais été témoin ni présent alors écoutez moi euh, avec Noël Legrette on se voyait euh, donc pour parler de nos dossiers euh, une ou deux fois par semaine ou tous les 15 jours enfin quand il y avait une actualité et sinon, je le voyais une fois par mois à peu près au Comex. Et pendant ces moments-là. Alors voilà, moi en tout cas, pendant ces moments-là, je n'ai jamais assisté à ce genre de, de propos ou en tout cas d'attitude sexiste ou. Et puis après, euh, te, euh, juste deux précisions. La première, c'est qu'en 2022, il y a eu 39 signalements à Signal Sport sur des faits de VSS. Euh, sur la FEDE, euh, oui, sur la FEDE, euh, on parle bien de la FFF. Hein. Euh, et il euh, y a une partie du rapport donc, de l'IG qui indique que euh, euh, vous et M. Le étaient était toutes les deux. Désigné par les salariés comme participant au climat sexiste euh, au sein euh, de la fédération, donc euh, soit le rapport de l'IG est faux, soit enfin voilà, est-ce que vous pouvez nous revenir et peut-être nous préciser les choses Ah ben bah, j'ai rien d'autre à préciser que je conteste avec véhémence euh, ce qui est dit. Enfin, euh, moi participer au climat sexiste de la Fédération... enfin, écoutez, demander à, à, aux salariés de la fédération, euh, enfin, c'est pas l'image du tout que je. Bah, euh, Ouais, enfin, c'est ce qu'ils disent. En tout cas, moi, je conteste. Je conteste. Franchement, ce n'est pas du tout, du tout, du tout dans ma, enfin, dans ma façon de voir les choses ou quoi que ce soit. Non, je peux juste contester, c'est tout. Une oui. question de Claudia. Ah, ouais. Merci, Madame la Présidente. Euh, bonjour, Monsieur. Donc, en fait, ce qui est plus grave, puisque c'est quasiment unanimement reconnu que Noël Legrette avait des propos, on va dire, sexistes aujourd'hui, ça veut dire que vous ne les perceviez même pas. C'est-à-dire qu'il avait ses propos devant vous et que vous n'avez pas suffisamment de recul pour considérer aujourd'hui que c'était des propos sexistes parce que vous étiez suffisamment présent dans les réunions et autour de lui. Tout le monde le sait, même à Guingamp. Donc vous ne pouviez pas être à la fédération sans entendre les propos sexistes de Monsieur Le Grette. Ce n'est pas possible. Ou alors c'est parce que vous êtes sur les mêmes niveaux de propos. Non, 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 je ne je, 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 enfin, je sais pas comment vous dire, puisqu'il n'y a, y a que ma parole qui, qui, qui peut faire foi en la matière. Euh, lorsque moi je me, suis, je me retrouvais avec Noël Le d'abord on parlait surtout des dossiers, et puis en comex il y avait quand même des ordres du jour chargés, euh, enfin, enfin c'était pas, pas alors, le moment ou le lieu, en tout cas, où on parlait de ça. Et après, moi, je passais pas ma vie avec Noël Le Graet. Le reste du temps, je ne le voyais pas du tout. J'étais même pas à son, à son étage. Euh, je montais que quand il m'appelait pour qu'on discute de nos dossiers. Et je le voyais en comex. Après, je le je voyais plus du tout, plus du tout. Donc je passais pas... D'abord, il n'était pas tout le temps là à la Fédé, et quand il était là, je le voyais quasiment pas. Enfin, on a l'impression que je passais ma vie avec Noël Le Graet. Non, pas du tout. C'était un président avec lequel je m'entendais bien. Je me suis entendu bien avec tous les présidents. Mais euh, franchement, dans la semaine et dans le mois, quand il y avait un comex, ben, je le voyais au comex. Et sinon, quand il venait, c'était une fois ou deux fois où on se voyait. Toutes les semaines, plus les quinze jours, le temps un quart d'heure de faire le tour de, de, des dossiers qui me concernaient, et puis après, mais je le voyais pas. Ah. Alors, euh, en fait, il y a plusieurs articles de presse, y compris d'ailleurs euh, ce qu'on a vu hein, dans le New York Times dès 2020. On parle de, 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 de propos, de comportement de Monsieur Noël Le donc c'est connu et, et, et publié partout. Euh, moi, je trouve ça. Très étonnant, effectivement, vous êtes dans la fédération. Vous nous avez dit 35 ou 40 ans. Euh, enfin, voilà, il y a eu plusieurs réunions, plusieurs femmes qui ont témoigné, plusieurs femmes qui ont démissionné, y compris des femmes qui avaient des postes à responsabilité, qui ont démissionné de cette fédération. Enfin, juste, moi, je, 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 je le redis parce que on, on, a eu, on a eu plusieurs fois le cas. Je rappelle que vous êtes sous serment, euh, qu'il y a plusieurs personnes qui se sont exprimées au sein de cette commission aussi sur ces affaires-là. Donc, euh, est-ce que vous maintenez le fait que vous n'avez jamais été témoin? Jamais en 40 ans était témoin ni de propos sexistes ou en lien avec des VSS, ni était informé de problèmes en lien avec de, de, des faits de, de violence sexuelle ou sexiste, euh, ni entendu euh, les propos de M. Le Grette ou de comportement. Donc voilà, c'est très simple, enfin c'est clair comme question. Non mais, enfin, honnêtement, euh qu'on su à la Fédération que... Alors, oui, oui ou je vais reprendre la main parce que le micro n'est pas libéré, mais c'est oui ou non, demande Madame la rapporteure. Est-ce que vous avez été témoin, oui ben, ou non Alors, témoin et avoir en, entendu ou savoir, pour moi, c'est deux choses différentes. Non Bon. Alors, euh, alors, oui, effectivement, euh, j'ai su, mais c'est pas... Vous comprenez bien que si à un moment donné euh, y a, euh, devant Donc, moi Je rappelle, c'est pas que vous avez su, c'est que vous avez été témoin. Oui, mais alors on dit c'est la même chose et c'est pas la même chose. précisez Précisez, précisez votre réponse. Bah, témoin. Euh, témoin, c'est vous êtes là, vous assistez, euh, quelqu'un euh, dit quelque chose à... à à une autre personne qui dépasse largement le cadre de la bien-séance, ok, et puis après, euh, vous pouvez savoir que on a dit que il s'est passé que ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est deux choses différentes, mais peut-être que c'est la même chose pour vous. Non, non mais vas-y, vas-y, Béatrice. Ben ah, pardon. Alors, sans tenir compte du fait que ce soit deux choses différentes ou une chose identique, parce que pour nous la réalité, c'est qu'à la fin, euh, quand on est informé, notre responsabilité, c'est de faire un signalement et donc de déclencher des dispositifs au sein de la fédération. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez de quoi vous étiez informé, ou alors de quoi vous, avez, ou alors à quel moment ou ce que vous avez pu voir, puisque vous séparez les deux. Euh, ce non mais ce qu'on savait c'était que Noël Legret était un petit peu formaté à l'ancienne avec des... Enfin comment dire, en n'ayant pas intégré les codes qu'il faut désormais intégrer sur les relations hommes-femmes. Voilà, alors on va appeler ça un petit peu lourdingue, dépassé, je ne sais quoi voilà c'était ce qui se disait mais oui oui non alors vous avez commencé vos propos en disant que vous étiez un passionné de foot ce que nous ne doutons pas donc je ne peux pas croire qu'en étant aussi important à la fédération que vous n'ayez jamais assisté à des matchs en présence de Noël de Graëtte, que vous n'ayez jamais mangé avec Noël de Graëtte. Je pense que chaque comex, il y avait un repas. Euh, donc, vous ne pouvez pas dire, ce n'est pas possible, parce que vous êtes sous serment, que vous n'avez jamais été témoin euh, de, de, de blagues salaces et tout, de la part de Noël de Graëtte, ou autre chose d'ailleurs. Et la deuxième chose, vous êtes quand même responsable du service juridique de la Fédération. Et donc, c'était quoi votre rôle Si c'était d'entendre toutes ces 39 personnes qui ont fait un signalement Juste en, 2020, en 2022. Alors, c'est juste pour répondre à madame. Euh... Ma dans ma direction juridique, je n'ai pas la compétence de, de, ce, de ces problèmes-là qui sont délégués à d'autres personnes au sein de la fédération. Non, mais je vous l'ai dit, dit, mais mais dit en préambule. Moi, c'est le juridique sportif uniquement. Tout ce qui est VSS, signalement, etc., c'est soit chez, euh, chez les RH. Soit la Ligue amateur où il y a une personne qui s'occupe de toutes ces, ces problématiques-là. Et d'ailleurs, alors c'est vrai que ça peut paraître euh, mal imbriqué et qu'il euh, faut que la fédération évolue. Et je crois que vous avez euh, eu les explications de Philippe Diallo récemment, qui va donc pallier euh, ces, ces, ces manques, ces lacunes qu'il y a sans doute dans l'organisation là-dessus. Euh, en, faisant, euh, en créant une commission euh, de, donc de, de l'engagement qui va regrouper euh, des personnes qui seront euh, au sein d'une même direction pour travailler ensemble de façon connexe euh, à ces problèmes là alors qu'actuellement c'est délité. mais en ce qui me concerne je n'ai pas sous ma responsabilité le traitement des vss à l'heure actuelle. Alors, les matchs, si, mais euh, on n'était pas côte à côte, hein, puisque il y a le proto. Après le vote, c'est des buffets debout et euh, en général. Je... Non, non, mais je vous, je vous assure. Enfin, euh, euh, je suis pas à ce point-là lié avec Noël Le Gret pour euh, passer mon temps avec lui dès qu'il est quelque part et aller vers lui. Je peux, je peux vous le garantir. Je peux vous le garantir. Voilà, tout ce que Stéphane Bouchou, une question. Merci, Madame la Présidente. Euh, Monsieur Lapère, bonjour. Stéphane Buchou, député de Vendée, vice-président de la Commission. Bon, si les sujets n'étaient pas aussi sérieux, ça prêterait franchement à rire. Moi, je vous le dis. Euh, bon, je ne vais pas redire. Enfin, si, je vais le redire. Euh, vous témoignez, euh, vous témoigner sous serment et, et, euh, et, et vous arrivez, Monsieur Lapère, en, en audition après que nous ayons auditionné de nombreuses personnes et recueilli. Beaucoup, beaucoup de témoignages. Euh, moi, je, je prolonge, je rejoins les propos de, de, de mes collègues. Enfin, vous tenez quand même des propos qui sont totalement invraisemblables. J'espère que vous allez euh, revisionner l'audition le, 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 et, et les propos que vous avez tenus euh, au début de cette audition. Vous nous avez dit qu'en 35 ou 40 ans de, 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 de présence au sein de la fédération, vous n'avez jamais été le témoin. De, de violences sexuelles et sexistes, de comportements inappropriés ou déplacés de certains membres de la fédération, en particulier sous la présidence de Noël Legrette. Vous êtes directeur juridique de la fédération française, un des plus proches collaborateurs du président. Vous assistez aux matchs, vous assistez à un certain nombre de manifestations, et jamais, au grand jamais, vous n'en avez été le témoin. Et, et quand on vous pousse un peu, dans, et, et, et quand on vous pousse un peu dans vos tranchements, ce qu'a fait Madame la rapporteure, et elle a eu raison de le faire, tout comme Madame la présidente. Là, vous commencez à nous dire, bah si, en fait, je fais le distinguo entre avoir été témoin ou être au courant d'eux, alors qu'effectivement, depuis 2020, la presse, et pas que la presse nationale, la presse internationale faisait déjà état des comportements de M. Le enfin, est, C'est sérieux, là, le travail qu'on est en train de faire, M. Lapper. C'est sérieux. Donc, on n'est pas dans l'approximation, on n'est pas en train de jouer. On, a, on attend des réponses précises à des questions précises. On n'est pas un tribunal, certes de manière à ce que, in fine, nous, nous puissions faire des propositions qui permettent d'améliorer la situation et d'éradiquer ce type de comportement. Donc ça, c'est un, une, une observation forte que, 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 je, que je voulais faire. C'est quoi pour vous un comportement inapproprié Parce que vous nous dites, monsieur Le Gret, il est issu d'une génération où, euh, effectivement, il a été formaté d'une certaine manière. Vous nous avez fait état tout à l'heure de l'éducation que vous avez reçue de la part de votre papa, qui était dans la marine nationale, avec des valeurs. C'est quoi vos valeurs, monsieur Lapeyre bah, Mes valeurs, c'est le, res le respect d'autrui, euh, quel qu'il soit. Voilà, euh, point. Je crois que ça résume une philosophie de vie. Non Non Bon. Donc, pour reprendre la question de M. Stéphane Bichou, c'est quoi un comportement inapproprié Qui va au-delà de ce qu'il est permis de, de dire à quelqu'un. Ça commence à être très très agaçant, là. Euh, je vous le dis. Là, vous nous faites une succession de phrases creuses. On ne vous demande pas des synonymes des phrases qu'on vient de prononcer. Vous voyez On a des témoignages, il y a eu des signalements, vous êtes directeur juridique, vous nous dites que vous n'êtes pas au courant. Encore une fois, comme j'ai eu l'occasion, mais c'est hyper répétitif, de le dire lors d'autres auditions, on auditionne les présidents de fédération, et en l'occurrence on va parler de la Fédération française de football, on a, on a eu l'occasion d'auditionner M. Legrette il y a deux jours. Monsieur Le au final, euh, a été décrit, et je pense que c'est une réalité, comme le tout-puissant président de la, de la plus grosse fédération de sport de, de notre pays. Au final, il est au courant. Euh, moi, je lui ai dit de rien. Alors, quand je lui dis de rien, il, il s'offusque en disant bah :« Ben non, monsieur le député, vous ne pouvez pas dire ça. Bah, »« si, je peux le dire. » Et donc, je peux faire la même remarque au directeur juridique. Vous nous dites euh, il y a cinq minutes, c'est pas moi, c'est mes collaborateurs. Moi, je, je chapote. Alors, je, je... qui fait quoi qui pilote, qui dirige, qui prend les décisions Faites partie du Comex Enfin, vous avez fait, oui, faites partie du Comex Un des administratifs chargé. Mais je ne fais pas partie du Comex. Pardon. Alors, qui, qui, fait, qui décide de quoi on, on parlait tout à l'heure du, du, du service des du service RH. Le voilà. service RH a en son sein des juristes spécialisés en droit du sport et donc euh, il, euh, il est complètement compétent pour gérer tous les problèmes relatifs à, aux salariés. Vous conviendrez avec moi qu'il manquerait plus qu'il ne soit pas compétent. Enfin, je veux dire. Euh... Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de nous dire. Vous nous dites que le service juridique il est composé de juristes compétents, oui, dont acte. Mais ce que je alors pardon mais oui c'est la raison pour laquelle vous les avez c'est la raison pour laquelle vous les recrutez donc vous recrutez des gens en fonction des missions qui leur sont confiées. Ça c'est d'une logique implacable. C'est pas le sens de la question. C'est que nous avons eu l'occasion, lors de précédentes auditions, d'interroger les auditionnés sur la prise de décision. Et la prise de décision, elle est toujours renvoyée à la personne qui n'est pas auditionnée. Et à chaque fois, on nous a dit, en l'occurrence en ce qui concerne la Fédération française de football, on nous a renvoyé vers le directeur juridique, que vous êtes. Et aujourd'hui, vous nous dites bah « Ben non, c'est pas moi ». Si vous voulez, nous, les salariés, quel qu'il soit, que ce soit le directeur RH, directeur juridique ou quoi que ce soit, euh, on n'est pas décisionnaire à 100 C'est-à-dire que euh, on en parle, alors soit euh, selon les, les, les thèmes abordés, soit à la, euh, au directeur et à la directrice générale, soit au président, soit éventuellement qui en réfère au Comex. Et ensuite, nous, on met en application les décisions qui ont été prises. Mais nous, en tant que directeur, on ne va pas décider de nous-mêmes. Euh, la Fédé doit faire ci ou doit faire ça. Alors si on va sur euh, votre juridiction, qui est sportive, euh, qu'avez-vous fait quand vous avez appris euh, l'affaire Galetti Alors on est bien sûr du sportif. Donc là, on a un... un, un un responsable de l'arbitrage d'une ligue très importante euh, qui euh, proposait des, des services sexuels enfin, euh, face à des jeunes arbitres. Euh, donc le président de, le représentant de la ligue, M. Monsieur, monsieur Borghini, a été informé. Donc je suppose que vous, vous étiez forcément informé, puisque vous êtes le directeur juridique. Quelles mesures avez-vous prises à ce moment de, de fait aussi grave? Alors, euh, cette affaire est effectivement est née à la Ligue de Paris. Euh, nous avons été informés, et c'est en l'occurrence M. Borghini. Alors, M. Borghini qui est non pas président de la Ligue, mais qui est membre du COMEX de la Fédération, responsable de la partie arbitrage. Il se trouve que ce M. Galetti était à la fois à la Ligue de Paris et chez nous dans la commission d'arbitrage. Dès que nous avons su qu'il y avait eu euh, ces faits euh, euh, révélés. Euh, Eric Borghini, qui est à la fois président de la commission d'arbitrage, a radié de, de la commission euh, cette personne-là. Voilà. Il y a eu... Alors, il a même... Euh... Pardon. 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 Oui, juste précision, et c'est important, il a été radié, effectivement, on a le PV, sans mettre le motif de sa radiation. Et sans plainte. Et sans plainte. Donc, est-ce que vous pouvez nous préciser ça oui, alors euh, Eric Borghini, effectivement, et sa commission euh, l'ont radié de la commission. Eric Borghini s'est rapproché immédiatement du président de la Ligue de Paris, euh, Jamel Sanja, qui avait donc initié euh, ce dossier-là, euh, en lui demandant d'appliquer de, de, euh, l'article 40 du Code de procédure pénale, euh, compte tenu de, de ce qu'étaient les faits. On pensait que ce serait fait et on s'est aperçu que ça n'avait pas été fait et donc euh, nous-mêmes, quand on a vu que la ligue ne l'avait pas fait, nous avons fait un signalement euh, euh, de, de, nous, de notre propre chef. Ah, euh, Au bout de combien de temps de, Attendez, je vais vous le dire. Je crois que c'est malheureusement ça doit être un an, me semble-t-il, ou quelque chose comme ça. Mais euh, Effectivement, oui. Mais on pensait que la Ligue l'avait fait. Si, c'est parce que comme il, effectivement il a été exclu, que finalement il n'y a pas eu d'article 40, puisque ça a pris plus d'un an. Nous, Monsieur Borghini nous a donné d'autres éléments parce qu'il nous a dit que comme ça ne concernait pas sa Ligue et que c'était celle de Paris, il avait demandé à ce que Paris fasse l'article 40. Donc, euh, je ne sais pas où est, il y a eu un trou dans la raquette, visiblement, puisqu'il a fallu plus d'un an pour se rendre compte que personne n'avait fait euh, cet article 40. Moi, ma question, c'est pendant tout ce temps-là, où était euh, ce monsieur Puisque, Est-ce que sa, sa licence a été suspendue Est-ce qu'il était toujours en contact de mineurs Est-ce qu'il avait toujours accès, d'ailleurs, à des arbitres à qui il continue de faire des SMS Est-ce que vous avez enquêté sur tout cela Alors, dès que la Ligue a. Donc, euh, radier ce monsieur de, la, de sa commission, elle a immédiatement supprimé les deux licences que, que ce monsieur avait chez elle, dans la foulée, tout de suite. Voilà, d'accord, donc sa licence chez elle. Est-ce que ça veut dire qu'il pouvait reprendre une licence ailleurs donc Quand une licence est, est radiée, c'est un système euh, général et donc euh, il ne peut, il peut pas prendre une licence euh, euh, ailleurs, sauf évidemment à en faire la demande, qu'il y ait une étude ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, quand c'est bloqué, c'est bloqué partout. Dans, une, fédération. Ah, autre Dans fédération, une autre fédération Non, ça, non, non ça, autre fédération, non. Pour l'instant, c'est uniquement Fédération française de football. Alors, peut-être pour poursuivre là-dessus, selon euh, les informations qu'on a eues, la direction juridique se serait opposée à ce que la FFF prenne une décision de retrait de licence à l'encontre de Madame Roujas, en application de l'article 85 des règlements généraux. Est-ce que vous nous le confirmez Et si c'est le cas, pourquoi euh, ça n'a pas été le cas, alors qu'il y avait une action disciplinaire qui aurait permis de protéger certaines des potentielles victimes euh, sur cette affaire Est-ce que vous pouvez revenir dessus, s'il vous plaît euh, Oui. Alors. Euh... En ce qui concerne Mme Roujas, nous avions affaire à une salariée de la Fédé. Donc ce dossier a été traité par les RH, qui sont directement compétents pour traiter tous les problèmes avec les salariés. Dès que nous avons été avertis par la direction de l'Institut du football en août 2013, elle a été mise à pied conservatoire immédiatement, il y a eu une enquête et elle a été licenciée quelques semaines après pour faute grave. Et à ce moment-là, nous avons procédé à un article 40 dès le mois d'octobre, donc quelques jours après son licenciement. Sauf que sa licence, elle l'avait toujours puisqu'elle est partie dans un autre club dans lequel d'ailleurs il y a eu des plaintes par la suite. Alors chez nous, elle n'avait pas de licence au moment où, des faits puisqu'elle était euh, salariée pour encadrer euh, donc, euh, des, des jeunes et euh, elle n'avait pas une licence à ce titre-là. Donc elle n'avait pas de licence quand les faits se sont passés. Oui, mais du coup, euh, moi ma question euh, que je vais reposer, c'est qu'est-ce que vous avez mis en place, en tout cas qu'est ce que vous auriez pu mettre en place pour protéger d'éventuelles victimes du comportement de Madame Roujas, puisque je, suis, je viens de vous dire qu'elle est partie dans un autre club où il y a eu des plaintes euh, similaires, donc euh, suite à son départ de chez vous. Euh, oui, alors on peut toujours dire effectivement qu'on n'a pas fait assez et qu'il faut faire toujours plus. Euh, je dirais quand même deux choses sur le dossier Rougeas parce qu'il ne faut pas non plus les occulter. Euh, N'oublions pas que deux ans après, suite à l'article 40 qu'on avait déposé, euh, le procureur de la République a classé le dossier sans suite en disant... Qu'aucune infraction pénale ne pouvait être retenue à l'encontre de cette dame. Donc, ce qui est quand même un élément important, puisqu'elle a été blanchie pénalement. Excusez-moi, s'il vous, oui. pouvez... Mais... vous plaît, si vous pouvez nous préciser pourquoi ça a été classé sans suite Alors, ce n'est pas une histoire de, de délai ou de prescription, comme ça a bien voulu et été dit, puisqu'il n'y euh, a aucune référence à ça dans la notification du procureur. Le procureur nous dit euh, :« Je porte à votre connaissance qu'après le retour de l'enquête de la section de recherche gendarmerie Versailles, aucune infraction pénale ne pouvant être retenue, j'ai décidé ce jour de classer cette, suite sans, euh, cette affaire sans suite. » Voilà. Donc, euh, ça a été dit que c'était la Fédé qui s'était réveillée trop tard, qu'on euh, qu avait euh, euh, malheureusement laissé passer des délais de. De prescription c'est faux et la preuve en est de ce qu'il y a dans le dossier alors sachez aussi qu'il y avait vous le savez peut-être une enquête administrative qui avait été menée par le ministère d'éducation nationale puisqu'ils avaient été prévenus également je n'ai pas à ce jour de, de suite qui aurait été donnée de cette enquête là Alors à ce sujet quand même d'une façon générale, je veux pas avoir l'air de que ce soit un paravent à quoi que ce soit, euh, mais on le voit dans l'affaire Roujas, on l'a vu aussi dans une autre affaire San José. Euh, à un moment donné, on saisit la justice pénale et la justice pénale se, se prononce. Euh, il y a quand même un principe qui est inscrit dans la, la, la déclaration des droits de l'homme, donc qui par ce Biela est quand même de valeur constitutionnelle, qui s'appelle la présomption d'innocence, et qui dit bien que tant que la personne n'est pas condamnée de façon irrévocable, elle est présumée innocente. Alors, attention, ce n'est pas vouloir se réfugier derrière ça pour ne rien faire, mais c'est quand même un, valeur, un principe important dans le droit français. Il faut quand même toujours euh, l'avoir euh, en tête. Voilà. Mais euh, et la preuve, c'est que en ce qui concerne Angélique Roujas, bah, il a été euh, démontré pénalement qu'elle n'avait commis aucune infraction pénale. C'est aussi la difficulté de, de traitement de ces dossiers. Ce qu'on f... Oui, pardon. Allez. Alors, attendez faut... Euh, bah, Allez-y, terminer sur ce dossier-là, et puis ensuite on aura des questions sur d'autres euh, dossiers. Oui, d'une façon générale, sur ces dossiers-là maintenant, euh, depuis maintenant 5 ans, euh, quand nous déposons des, des articles 40 ou que nous nous euh, constituons partie civile s'il y a déjà des, des plaintes de déposer, euh, nous, notre avocat prend euh, langue avec l'avocat des victimes, et si les victimes le veulent, avec les victimes elles-mêmes pour euh, discuter avec elle, leur montrer que, que nous sommes euh, auprès d'elle. Et on va jusqu'à assister à toutes les, euh, toutes les séances, les procédures euh, qui suivent devant les tribunaux, à leur côté, pour bien montrer que la Fédération euh, pense, euh, pense aussi à elle, évidemment, parce qu'on parle toujours de celui qu'il faudrait éventuellement, ou qu'il faut, condamner. C'est bien aussi de parler des victimes et de montrer aux victimes qu'on qu est quand même présente à leur côté dans, dans ces moments-là. Alors, est-ce que vous pouvez euh, revenir sur les élections euh, à La Réunion euh, en 2016 sur l'élection de M. Yvetev Euh, en ce qui concerne la, les élections de la Ligue de la Réunion, euh, je suis content qu'on puisse en parler parce que bon, euh, ça a été tellement euh, dévoyé, cette histoire-là, avec tellement d'informations fausses, de diffamations, que je suis content qu'on puisse euh, qu'on puisse en parler. Euh, à cette époque-là, donc fin des années euh, 2016, euh, donc c'est les élections à l'île de la Réunion. Et il se trouve que le climat politique, entre guillemets, là-bas, était euh, euh, pas très sympathique, on va dire. Et euh, aussi, donc les candidats, aussi bien celui qui était sortant, M. Vidot, que ceux qui se présentaient contre lui, euh, avaient demandé à la fédération, ou comme ex de la fédération, d'envoyer une mission. Parce que ils, 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 bon, voilà, tout le monde euh, suspectait tout le monde et ils se sont dit euh, « il faut que la fédération vienne et s'occupe de ça ». Donc le COMEX avait délégué une, euh, une représentation. Euh, nous étions quatre avec un chef de délégation qui était euh, un élu, euh, Jean-Pierre Meurillon, spécialiste de, de ces questions-là. Et euh, nous, avions, euh, nous étions trois administratifs pour aider ce monsieur à, à mettre tout ça en place. Dès que nous sommes arrivés là-bas, euh, nous, euh, 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 nous avons consulté toutes les listes, nous avons consulté évidemment les règlements qu'il y avait, nous avons reçu euh, chaque candidat pour euh, qu'il s'explique, pour qu'il fasse part de ses doutes. Et euh, nous avons ensuite, euh, nous étions venus également avec euh, l'informaticien chargé des votes électroniques que nous prenons pour la fédération, pour être sûr que de ce côté-là, euh, nous ayons un matériel euh, certifié euh, et qu'il n'y ait pas de problème euh, de ce côté-là. Donc on, on avait vraiment blindé tout ça. Alors, on a dit... Dans la presse, que finalement tout le monde aille voter, tout le monde votait, votait plusieurs fois, euh, que, que c'était inadmissible. Alors, je rappellerai que dans les règlements et les statuts de la Ligue de la Réunion, et dans d'autres Ligues d'ailleurs métropolitaines, euh, le système des pouvoirs est autorisé. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne euh, la Ligue de la Réunion en particulier, euh, chaque club peut euh, détenir cinq pouvoirs, y compris le sien. Donc, pas forcément sur les pouvoirs, mais est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient suspendues dans les listes et donc euh, qui ont pu alors sur l'élection Et deuxième élément, c'est qu'il y a un article qui indique qu'il n'y avait pas eu de PV d'AG qui avait été euh, transmis. Est-ce que vous pouvez revenir dessus parce que euh, voilà. Je vais revenir sur tout là-dessus parce que je vous dis tout ce qui a été dit, c'est archi faux. Il y a un seul élément qui est vrai et je vous le signalerai également. Donc nous avons... Euh, alors déjà sur le nombre de pouvoirs, non, n'importe qui n'a pas voté. Il y a, on a vérifié que les gens... Avaient, on a fait d'ailleurs un bureau spécial avant que les gens rentrent euh, dans la salle, un bureau spécial pour les pouvoirs, c'est-à-dire tous ceux qui avaient des pouvoirs passés par ce bureau ont vérifié, ont vérifié le nom, l'identité, euh, les signatures, si ça nous paraissait conforme, on acceptait le pouvoir, il est arrivé qu'il y en avait certains qui ne nous paraissaient pas conformes, on les a supprimés. Donc c'était très clair là-dessus, et donc ça a été fait en totale transparence et application des, des statuts de, de la Ligue. Alors ensuite, euh, effectivement, il a été dit que, alors deux choses, euh, une personne a voté alors qu'elle était suspendue. Oui, là c'est le point que je confirme. Effectivement, il y a quelqu'un qui était suspendu. Le problème que nous avons, c'est qu'il avait été suspendu par la Ligue de la Réunion et celle-ci ne nous a pas signalé euh, qu'il était suspendu. Euh, néanmoins, euh, nous avions publié euh, trois jours avant les élections euh, toute la liste des votants, donc sur le site de la Ligue. Et euh, aucune personne euh, n'est venue nous alerter en disant :« Attention, ce monsieur figure là, il est suspendu. » Donc, si euh, on avait pu le savoir, bien évidemment, qu'on qu ne l'aurait pas permis de voter. Donc, il y avait bien des personnes suspendues ou une personne suspendue qui fait que l'élection était pas valide. Alors, n'allons pas jusque-là. Effectivement, il y a une personne qui euh, n'aurait pas dû voter. On est d'accord. Celle, je vous ai expliqué pourquoi, malheureusement, on n'avait pas la possibilité, nous, de le détecter et que personne ne nous l'a signalé. Néanmoins, cette personne représentait 10 voix sur un total de 834 voix. Donc, ce qui sous-entend que, si tant qu'elle ait voté pour M. Etev, ce qu'on ne sait évidemment pas, de toute façon, ça ne remettait pas en cause la validité de l'élection, évidemment. Voilà en ce qui concerne euh, l'île de la Réunion. Euh, da, alors pour le PV, euh, contrairement, contrairement, à ce qui était dit également, le PV de l'AG a bien été euh, publié. Il a été publié sur le site de la Ligue de la Réunion le 28 décembre 2016. Euh, J'ai copie d'écran, euh, tout ce qui a été. Donc euh, là aussi, c'est une fausse information qui, qui a été donnée. Voilà. Est-ce qu'au moment où il y a eu l'élection de Monsieur Etev, euh, il y avait déjà euh, une enquête ou des signalements sur euh, du harcèlement sexuel qui étaient en cours euh, Je ne pense pas qu'il avait fait à, à cette époque l'objet d'une plainte. Il me semble que c'est postérieurement, me semble-t-il. Personne n'était au courant de ces agissements. Euh, donc vous n'étiez pas du tout informé au moment de l'élection euh, Non, on a, même sur place, personne ne nous en a parlé ou quoi que ce soit. Voilà ce qui concerne, à moins que vous ayez d'autres questions sur le, le sujet de la réunion, mais je crois. Alors, je je pourrais, dernière question. Au moment où il y a une personne qui a voulu faire un recours sur cette élection, il s'est rendu compte que le PV n'avait jamais été transmis euh, au CNOSF, je crois, ou je ne sais plus. Ah, il faudrait que je revoie l'article dans le détail. Euh, pourquoi le PV a mis autant de temps à être transmis euh, Transmis, je ne sais pas. Il a été publié sur le site de la Ligue. Le 28 décembre 2016, donc très peu de temps quand même après, après l'élection. Et d'ailleurs, euh, euh, un des candidats perdants avait saisi le comité olympique, effectivement. Et euh, le conciliateur n'a pas suivi le, le requérant. Et notamment, à un moment, dit il résume des éléments qui m'ont été transmis par la Ligue le 2 juin 17. Que, qui vous ont été adressés, vous aussi, bien sûr, le jour même, que le procès verbal précité a été publié sur son site Internet le 28 décembre 2016. Donc le conciliateur lui-même a eu les éléments pour confirmer que le PV avait bien été euh, mis euh, sur, le, sur le site. Euh... Voilà, donc je ne sais pas là non plus euh, où est-ce qu'on est. -ce que Couper le micro, moi j'ai un article sous les yeux qui date de août 2017 où la personne est partie justement pour faire un recours et il s'est rendu compte euh, deux mois avant que le PV n'avait jamais été rédigé. Donc euh, à quel moment il a été publié ce PV Puisqu'en 2017, visiblement il n'était pas rédigé. Et, écoutez, euh, moi j'ai voilà, tous les éléments que j'ai, je les ai là avec... Euh les, le PV de l'Assemblée, tout ce qui a été mis sur le site, donc le 28 décembre. Moi, je ne peux pas dire plus que euh, tous les éléments qu'on a récoltés euh, euh, dans, ce, dans cette, dans cette affaire-là. Sur un autre sujet, nous là. avons interrogé Monsieur Noël Legret sur la situation de Monsieur Bachir et lui avons demandé s'il était toujours l'intendant des Bleus. Monsieur Le n'a pas été en mesure de nous répondre précisément. Sur le site internet de la FFF, M. est mentionné en tant qu'intendant des Bleus. Confirmez-vous qu'il occupe toujours ce poste Oui, je confirme. M. Nair exerce des responsabilités professionnelles au sein de VV Consulting, une agence de conseil et de management créée par un homme d'affaires russe, M. Vadim Vassiliev. Par ailleurs, ancien président de l'AS Monaco, M. Nair ne se trouve-t-il pas dans. Dans une situation de conflit d'intérêts manifeste Oui, alors euh, nous avons été, nous solliciter, direction juridique, sur cette euh, situation-là, et nous avons fait une note juridique, euh, je qualifierais de réservée par rapport à, à ce que vous dites, et qui va dans, dans ce sens-là. Euh, à défaut de ne plus le prendre, puisqu'apparemment il était euh, euh, souhaité par. Euh, par le sélectionneur. Euh, les RH ont rompu son contrat de travail, puisqu'avant il était salarié chez nous, et ils, euh, ils lui ont fait signer euh, contrat de prestation. Et dans ce contrat de prestation, euh, il y a une clause très nette de conflit d'intérêts euh, pour euh, éviter qu'il puisse profiter de cette situation pour, euh, pour euh, se livrer à ce qu'il ne doit pas faire. Voilà. Concernant cette note, où vous, donc vous indiquez clairement qu'il y a un, donc, conflit d'intérêt. En tout cas, ça va dans le sens de l'alerte qui vous a été faite. Est-ce que vous en avez informé euh, qui était au courant Le président, la directrice générale, Monsieur Didier Deschamps Alors, Monsieur Didier Deschamps, forcément, puisque c'est c'est lui qui l'a qui l'a pris. Euh, moi, c'est la directrice générale qui m'avait demandé euh, un avis juridique là-dessus que je lui ai donné. Voilà. Après, ça a été réglé entre, alors elle, sans le président ou pas, je ne sais pas, et Didier Deschamps. Et donc, malgré cette note juridique qui indique euh, le, le conflit d'intérêt, la décision est faite de le garder. Donc, qui prend la décision Donc, c'est Monsieur Deschamps qui prend la décision. Je suis, alors là, je ne suis pas au courant. Je vous le dis tout de suite. Euh, tout ce que je sais, c'est que comme c il fait partie de son staff, je suppose qu'il a dû euh, demander euh, à ce qu'il reste. Mais encore une fois, là, après, moi, je sais pas. J'ai fait, fait ma note, j'ai dit ce qu'il en était. Euh, donc, les RH ont euh, essayé de, de régulariser tant bien que mal la situation. Et, euh, mais après, qui a pris la décision in fine Je ne sais pas. Monsieur Stéphane Bichoux. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur Laperre, c'est <coughs> intéressant ce que vous venez de dire. Vous venez de dire que les services des RH ont, ont essayé, tant bien que mal, de régulariser la situation. Donc, euh, si on reprend le fil de, de l'histoire, il euh, y a euh, cet intendant qui, au départ, est, est salarié de la, de la Fédération. Il y, possible, il y a un possible conflit d'intérêts. On remplace son contrat de travail par un contrat de prestation, c'est ça Monsieur Laperre Confirmé. Donc vous, votre note juridique, elle intervient à quel moment Elle intervient dès que nous, on a, enfin, quand on apprend que ce monsieur travaille également dans une société d'agents. C'est au moment où il est salarié Il est encore salarié quand vous avez cette information-là Oui, je, je pense que c'est quand même assez rapidement dès qu'on s'aperçoit de ça. Enfin, il me semble, mais là, franchement, je n'ai pas les dates exactes, donc euh, je, je, je serai pris dans là-dessus quand même. Et donc, euh, votre, euh, votre préconisation dans, la note, dans, enfin, dans votre note juridique, elle est de que, 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 ce, que ce salarié ne le soit plus de la Fédération française, ou euh, vous indiquez dans votre note – moi, je n'ai pas eu euh, sous les yeux – Qu'avec un contrat de prestation, le, le, le conflit d'intérêts n'existe plus Pour nous, la situation était claire. Il y avait conflit d'intérêts, point final. Donc, il ne fallait pas qu'il y soit. Voilà. Soyons clairs. Alors, euh, plusieurs choses. La première, c'est qu'on va vous demander cette note, cette note juridique euh, on va vous demander de nous l'envoyer. La deuxième, c'est que euh, moi, je ne comprends pas comment, avec une note explicite du service juridique, on décide de maintenir quelqu'un euh, où il y a du, du conflit d'intérêt. Donc, parce qu'il est toujours intendant sur le site de la FFF, il est toujours indiqué comme tel. Et la troisième chose, vous avez indiqué que vous y aviez fait signer des clauses pour empêcher ou encadrer ce conflit d'intérêt. Est-ce que vous pouvez préciser de quelles clauses est-ce qu'on parle alors, ce pas moi, moi j'ai rien fait signer, puisqu'encore une fois, c'était les RH qui s'occupent de ça, et c'est eux qui s'occupent des problèmes euh, salariés. Euh, donc là, ils passaient de salariés à Presta. Donc ça, c'est encore une -ce fois. Que vous avez donné des conseils précis non, moi, on m'a demandé ce que je pensais de la situation. Et la situation, pour moi, elle n'était pas acceptable dans la mesure où il y avait un conflit d'intérêts. Point final, voilà. Et ça vous démontre quand même, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, que je ne décide pas de tout quand je veux à la fédération. Euh, je donne un avis et il n'est pas toujours suivi. Alors, je vais préciser ma question. donc vous indiquez qu'il ne peut plus être salarié parce qu'il y a conflit d'intérêts Le service RH décide de lui faire un contrat de prestation ou je ne sais pas comment vous, vous appelez ça. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, le conflit d'intérêts disparaît? Le conflit d'intérêts, je ne sais pas. Après, je ne sais pas moi ce qu'ils ont mis comme clause dans ce contrat-là. Moi, je trouve. Le contrat, c'est n'est pas moi qui les ai, c'est le contrat. Vous avez fait une note juridique sur un risque de conflit d'intérêts. Donc, l'ARH décide de rédiger un contrat avec des clauses qui tient compte visiblement de votre note, puisqu'il n'est plus salarié qu'il passe en prestation. Enfin, on suppose. Vous, et ils ne vous ont pas demandé un regard sur ce contrat Non, après non, une fois que j'avais fait la note et ça a été décidé, mais pas par moi, ça c'est évident. Oui, M. Laperre. Le, le conflit d'intérêts, il est lié... Je ne suis pas juriste, donc je parle sous votre contrôle. Le conflit d'intérêts de ce monsieur est lié à l'activité à l'autre activité qu'il a, euh, il n'est pas lié à la forme juridique de ce qui le lie à la Fédération française de football. Est-ce qu'on est d'accord qu On est. On est vous pouvez. Euh... Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Donc, en votre qualité de directeur juridique, vous établissez une note indiquant, parvenir indiquant qu'il y a conflit d'intérêts, in fine, ce n'est pas suivi, on transforme un contrat euh, salarié en contrat de prestation, ce qui n'éteint absolument pas, vous venez de le confirmer, le conflit d'intérêts, et, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure et à ce que nous avons déjà dit tout à l'heure, personne ne trouve rien à y redire, circuler, il n'y a rien à voir. Qui fait quoi au sein de la fédération Qu'est-ce qui se passe Alors, euh, Avant que vous répondiez, euh, je suppose qu'il y a des cadres d'État qui sont en lien aussi avec la Est-ce qui sont informés euh, à un moment de cette situation. Euh, Est-ce que le ministère des Sports est informé aussi de cette situation Enfin voilà, expliquez-nous, parce que vraiment, je pense qu'on est plusieurs à ne pas comprendre en fait comment ce genre de choses est possible je, euh, je ne sais pas qui est au courant ou pas au courant, donc euh, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Euh, euh, voilà, donc euh, moi, que voulez-vous que je vous dise de plus euh, On m'a demandé un travail qui, là, dépendait de moi. J'ai fait la note qu'il fallait faire. Il appartenait ensuite à ceux qui sont décisionnaires de, de prendre la décision en fonction de ça euh, ou pas. Alors, euh, en octobre 2021, le Conseil Prud'homme de Paris a condamné la FFF à verser 10 000 euros de dommages et intérêts à une ancienne salariée de la Fédération qui avait porté plainte contre le directeur financier de la FFF pour des faits de harcèlement sexuel et de tentatives d'agression sexuelle. La FFF a été reconnue coupable de manquement à son obligation en matière de lutte contre des agissements de harcèlement sexuel. L'avocate de la plaignante a déclaré qu'elle ne comprenait pas pourquoi la FFF avait pris à ce point le parti de son directeur. Nous avons interrogé M. Le sur les faits et les raisons de la condamnation de la FFF. Il nous a répondu « Aucune idée ». Vous demanderez à M. Laperre la semaine prochaine. Nous vous posons donc la question « En quoi la FFF a-t-elle manqué à ses obligations ?» Je vais d'abord remercier Noël Le Gret de, de ce cadeau qu'il me fait. Euh, sachant, je vais sans doute me répéter, mais... Euh, ce n'est pas que je veux ne pas prendre des responsabilités, mais j'aime bien me prendre des responsabilités quand je peux les prendre parce que ça dépend de moi. Là, c'est un dossier, je vous l'ai dit, salarié, donc un dossier RH, traité par les RH directement et uniquement. Je n'interviens pas dans ce genre de dossier. Voilà, faut, je sais que je me répète un petit peu, mais il faut quand même en avoir conscience. Ne croyez pas que j'essaie d'évacuer ou de cacher quelque chose. Non, ce n'est pas de ma compétence. Il y a une direction qui s'occupe de ça. Elle a pris des décisions. Maintenant, si vous voulez, avec les éléments dont je dispose sur ce dossier, je ne veux pas non plus euh, euh, évacuer comme ça. Euh, donc il y a deux choses distinctes, en fait. Il y a l'attitude de ce directeur par rapport à une salariée qui a fait l'objet d'une plainte d'une part, et qui a fait l'objet d'une enquête interne RH, d'autre part. En ce qui concerne euh, l'enquête interne, ça a débouché sur un rappel à l'ordre, pour des pro, pour, propos qui étaient euh, largement déplacés. En ce qui concerne l'enquête pénale, euh, le salarié a bénéficié d'un non-lieu. La graduation, parce que là, on parle d'un rappel à l'ordre. De quels propos on parle Parce que vous avez dit largement déplacé. De quels propos on parle ben je, suis, je suppose que c'est les propos qu'il a tenus envers la salariée. Ah non, moi, encore une fois, je vous le dis, ce dossier-là, c'est les RH qui l'ont traité eux-mêmes. Moi, je ne suis pas spécialisé à la fédération pour ça. Donc, euh, mais ce que je veux bien vous... Pardon je, je vous coupe, monsieur Lappert, c'est juste, je rebondis sur, sur ce que je suis en train d'entendre. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez jamais été témoin, que vous n'aviez jamais été au courant de propos sexuels ou sexistes. Enfin, euh, réécoutez ce que vous venez de nous dire. Oui, je, je... Euh, je maintiens, ça corrobore ce que, ce que j'ai dit. Là, en l'occurrence, si vous voulez, je n'étais pas témoin lorsque ça s'est passé. Je... Ben, au courant, ben voilà, j'ai été ensuite mis au courant, parce qu'une affaire comme ça dans la fédération, euh, c'est forcément qu'on qu en parle, forcément qu'on le sait. Et as... On vous pose la question tout à l'heure, vous êtes sous serment Vous nous dites le contraire de ce que vous vous êtes en train de nous dire là ben, Ne dites pas non. Si. On vous a clairement posé la question tout à l'heure, madame la rapporteure, madame la... Là, on va avancer, mais Madame la rapporteure, Madame la Présidente, vous ont très clairement posé la question à plusieurs reprises. Vous nous avez répondu par la négative. Et là, vous nous dites le contraire. C'est insupportable. Je ne vous dis pas le contraire. Je vous dis qu'il y a le fait d'être témoin direct de ce qui se passe ou au courant. Ou au courant. Donc pour moi, c'est deux choses différentes. En l'occurrence, pour non. Non. Après je vous ai dit qu'il y a des choses qui, qui circulent qu'on sait, mais on n'y a pas forcément assisté. Là, en l'occurrence. Mais attendez. Je peux euh, essayer de dire quelque chose. Non, parce que je... Répondez, monsieur Laperre, s'il vous plaît, à la question de Monsieur Stéphane Bouchou. Vis-à-vis de ce directeur, je n'étais pas témoin, je n'étais pas là quand ça s'est passé, je ne sais même pas où ça s'est passé ou quoi que ce soit. Que, ça, que ce soit clair là-dessus. Bien évidemment, vu euh, ce qui s'est passé au sein de la Fédération par rapport à cette affaire, ça s'est su. On en a donc parlé. Et c'est comme ça que j'ai appris. Donc, pour moi, le distinguo, il est important. Entre je suis là, j'assiste à ça, et ensuite j'apprends, ah, au fait, il y a eu, etc. Et tout. Bon. Donc, voilà. Il y, y a des choses qu'on apprend. Par la Fédé, mais dont on n'est pas forcément témoin direct. C'est ça mon distinguo que j'ai voulu faire depuis le début. J'ai rien dit d'autre, de différent, et je le répète là-dessus. Et c'est un exemple justement qui corrobore ce que j'ai dit tout à l'heure entre le fait de ne pas avoir été là lorsque ce directeur aurait eu ce comportement envers la salariée, par contre effectivement d'avoir ensuite appris ce qu'il en était et avec les éléments. Qui ont été donnés là, et donc que j'essaie d'expliquer de, de, par rapport à la question qui m'a été posée, donc sur la condamnation de la de la fédération. Donc je disais qu'il y avait deux choses différentes. Il y avait l'attitude de, de du directeur et sa euh, sanction disciplinaire interne et le fait qu'au pénal il ait été euh, blanchi entre guillemets. Et le fait que la Fédé au Prudhomme ait été condamnée, non pas directement par le comportement de cet homme là, mais parce que les Prudhommes ont jugé que la fédération, en tant qu'employeur, ne prenait pas suffisamment de, comment dire, de mesures préventives pour faire en sorte d'assurer la, la protection de ses salariés. Voilà, donc c'est deux choses différentes, évidemment liées par le, le même fait, mais euh, qui n'ont pas la même portée. Vous avez fait appel de cette décision euh, Oui, oui. Nous avons, je crois que nous avons fait appel, oui. À vérifier, mais il me semble. Une remarque, parce que euh, là, on parle d'une victime donc, qui fait euh, les démarches et qui... Euh, donc on parle, et puis il y a une instruction par la RH, et donc, vous, donc ça circule au sein de la Fédération pour une victime. Et quand on vous a posé la question concernant M. Legrette, où il y a plusieurs victimes qui se sont exprimées, vous nous dites que vous n'étiez pas au courant. Encore une fois, je n'ai jamais assisté à euh, M. Legrette disant euh, quelque chose euh, à, à quelqu'un alors que j'étais là. Alors, reprécise, c'est pas ça, c'est pas. Est-ce que vous avez assisté? Je vous dis, vous nous avez dit que concernant cette affaire, ça a circulé. Donc je vous repose la même question. Est-ce que concernant Monsieur Legrette, est-ce que ça a circulé au sein de la fédération le fait qu'il avait des comportements problématiques avec les femmes? A circulé à la fédération euh, essentiellement les, les textos qu'il qui a euh, à, certaines, à certaines femmes. Euh, voilà. Et donc, ça a circulé à quel moment et depuis combien de temps ça, ça a circulé essentiellement quand il y a eu euh, l'inspection euh, du ministère. Alors, pas essentiellement. Je vais vous demander vraiment d'être précis. Depuis combien de temps ça circulait au sein de la fédération Et encore une fois, pareil, puisque là, depuis tout à l'heure. On part, on revient, etc. Euh, voilà, vous êtes sous serment. On vous demande vraiment de nous donner des réponses précises sur les questions qu'on vous pose. Donc ça circulait. Depuis combien de temps Écoutez, je suis incapable de vous donner une date ou quoi que ce soit. Alors, Mais des mois, des années C'est difficile là, comme ça, un brûle pour point euh, Oui, peut-être oui, sans doute, sans doute au moins des mois. Oui, sans doute au moins des mois. Oui. Je rappelle que vous êtes sous serment, Mais je Monsieur suis... Lapère. Je, 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 Donc, je, je pense que vous savez quand même exactement si ça, si vous entendiez, si on vous rapportait des propos comme ceci depuis quelques années. Et combien d'années Des mois, c'est un peu trop vaste, quand même. Disons quelques années, si vous, oui, peut-être, oui, oui, sans doute, mais franchement, enfin, c'est difficile de, 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 de vous faire comprendre, puisque visiblement, je ne peux pas être entendu là-dessus. Euh... Ce n'est pas que vous ne puissiez pas être entendu, c'est juste que vous êtes trop vague dans vos réponses. On entend très bien que vous avez une réticence dans vos propos et dans ce que vous avez à nous dire. C'est mon ressenti et... Vous ne pouvez, j'imagine, que confirmer, en tout cas, mes collègues autour de moi, c'est la même chose. Juste, je vais préciser, euh, parce que je sens le malaise. Euh, nous, en fait, on ne veut pas savoir si à la limite, c'est pas notre rôle de savoir si M. Le Gret est coupable ou pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les dysfonctionnements au sein de la fédération, notamment de la FFF, au moment où il y a des femmes qui ont osé parler de ce qu'elles vivaient. Et le fait que ça circulait au sein de la Fédération et qu'il ne s'est rien passé visiblement pendant plusieurs années. C'est pour ça qu'on vous demande depuis combien de temps ces informations circulaient au sein de la Fédération pour comprendre où se situent les dysfonctionnements pour pouvoir y répondre. Oui, oui, bah, ok. Bah, euh, C'était, si vous voulez, dans le tempérament, dans le caractère de Noël de Grède, euh, d'avoir... Euh, ces relations un petit peu hors code avec des femmes oui, ça, on le savait on le savait depuis longtemps mais je rajouterai quand même non mais je rajouterais quand même que, enfin, en tout cas aussi bien pour ceux qui l'ont vécu que ceux qui se disaient c'est que ça n'a jamais dépassé certaines limites quand même c'est à préciser. Alors, je vais vous demander de préciser ce que vous appelez hors-code et ce que vous appelez limite. Certaines limites. Enfin, moi, d'après ce que j'en sais et ce qui, ce qui a été dit, euh, notamment pour les textos, bon, c'était euh, des invitations euh, euh, à venir euh, boire euh, je sais pas, du champagne ou ce genre d'insistance. Euh, mais euh, jamais euh, une personne qui a été dans cette situation n'est venue dire euh, il est allé très au-delà euh, bon il s'est approché de moi il m'a embrassé voire plus euh, ou quoi que ce soit voilà en tout cas ça c'est ça jamais ça, ça jamais 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 été dit c'était que oui c'était oui c'était lourd dingue, oui ça allait peut-être au-delà de ce qu'il fallait mais euh, là, euh, mais de façon très sûre, il n'y a jamais eu euh, un écho ou quelqu'un qui a dit euh, Noël Le Graëtte euh, euh, m'a fait ci, m'a fait ça, euh, m'a embrassé de force, j'en sais rien, ou, ou pire. Oui, monsieur Laperre, on y vient, puisque. Vous avez bien été, euh, vous confirmez donc que vous étiez bien au courant de ces pratiques. Oui, oui ça circulait, euh, voilà. Mais, bah, encore une fois, pas avec euh, un caractère de, de gravité excessive. Mais vous, vous, vous conviendrez que ce n'est pas à vous d'en juger. Euh, en tous les cas, euh, moi ce que, je voulais, ce que je voulais relever encore une fois, c'est que tout ça est particulièrement ambigu. Il aura fallu, euh, il aura fallu euh, très lourdement insister pour que vous conveniez qu'effectivement euh, c'était une information qui circulait au sein de la Fédération française de, de football. Euh, et donc, euh, encore une fois, sous... Euh, sous serment euh, puisque vous êtes euh, sous serment c'est vrai que c'est quand c'est flou c'est qu'il y a un loup et là il y avait un loup donc on l'a on l'a levé euh, mais sur la suite euh, de, de, des propos qui ont été tenus et sur ce que vous nous avez indiqué enfin, franchement ça laisse ça laisse un goût amer parce que quel crédit quel crédit on donne à ce que vous nous dites Puisque, au début de. Au, au début de, de, de désolé, moi j'y reviens parce que c'est pénible. Au, au début de l'audition, on a été très clair. On vous a dit témoin ou au courant. On a bien fait le distinguo. Et sur les deux, vous nous avez indiqué. Vous nous avez répondu négativement. Et là, vous nous dites ben bah non, en fait, euh, c'était connu, c'était su, je, je le savais, j'étais au courant. Euh, c'est pas aller aussi loin que. Mais, mais enfin, je veux dire, euh, vous, vous n'êtes pas juge, vous, vous, vous ne savez pas. Euh, au final, donc, ces comportements, ils ont bien, ils ont bien eu lieu, et, et c'est votre confirmation. Je voudrais juste quand même répondre, parce que la façon dont c'est présenté, je, je, je suis pas trop d'accord. Je veux bien assumer tout, tout ce que je dois assumer, il n'y a pas de souci. Euh, mais on était parti, je pense, sur une fausse idée au départ. Enfin, en tout cas, moi, j'ai peut-être mal compris ce qui m'était demandé. Entre le fait d'avoir été témoin et le fait ensuite de l'avoir su. Et visiblement, au départ, on ne s'est pas compris là-dessus. Euh, je pensais que vous faisiez l'amalgame avec ça. Et lorsqu'ensuite euh, ça a bien été clarifié euh, depuis ce moment, j'ai vraiment fait le distinguo entre les deux. Je l'ai refait avec le directeur euh, tout à l'heure. Voilà. Y a, y a, pour moi, ce sont deux situations différentes. Et j'avais cru comprendre dès le départ. Peut-être que j'ai mal compris. Euh, que pour vous, c'était un petit peu la même chose. Voilà. Et c'était là-dessus qu'on n'était pas d'accord. Mais ben, l'ambiguïté, maintenant, est levée. Alors, je vous confirme que l'ambiguïté est levée. Moi, je ne peux pas vous laisser dire, euh, désolé, je, je, enfin, en tous les cas, en ce qui me concerne, on va s'arrêter là, mais moi, je ne peux pas vous laisser, euh, vous, vous laisser dire le mot amalgame. Il n'y a aucun amalgame. Les choses ont été dites, monsieur Laperre, très clairement dites et à plusieurs reprises. Et à plusieurs reprises vous avez confirmé que vous n'étiez pas au courant. Donc, s'il vous plaît, euh, je ne peux pas entendre ça. Donc euh, là, vous avez été clair, vous étiez au courant, d'autres que vous étaient au courant, dont acte, l'information est prise. En ce qui me concerne, j'ai les infos que je voulais avoir. Moi, euh, bah, je, je rejoins ce que dit mon collègue, d'autant plus que ça fait une heure et demie. Euh, il aura fallu une heure et demie à cette commission d'enquête pour vous entendre dire que euh, ça circulait, que finalement euh, tout le monde savait. Euh, ce sont vos mots, hein, tout le monde savait. Donc, moi, dans le tout le monde savait, je, je, est-ce que les cadres d'État savaient aussi Est-ce que le ministère des Sports était informé euh, Moi, je trouve dommage parce que, du coup, on n'a pas pu aborder euh, la question des femmes qui se sont exprimées. Et qui ont dénoncé finalement, parce que vous dites qu'il euh, n'a pas dépassé certaines limites, mais pour ces femmes qui ont eu le courage de parler, elles estiment qu'il l'avait dépassé les limites, puisqu'il y a eu des plaintes qui ont été déposées. Donc euh, moi je regrette qu'on n'ait pas pu l'aborder, qu'il y a eu des démissions en pagaille de directrices et de femmes qui étaient euh, euh, des collaboratrices de la FFF et que finalement euh, le sort de ces femmes n'a inquiéter plus que ça puisque tout le monde savait, ça circulait mais finalement le goût amer que ça nous laisse, c'est qu'effectivement tout le monde savait que mais que personne n'a rien fait. Merci monsieur Lapère. Donc, chers collègues, nous accueillons à présent M. Jean-Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d'État, président de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Monsieur, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre disponibilité pour répondre à nos questions. Nous avons entamé les travaux de cette commission d'enquête sur l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif le 20 juillet dernier. L'Assemblée nationale a décidé de sa création à la suite de très nombreuses révélations publiques de sportifs et sportifs et de diverses affaires judiciaires ayant trait à la gestion de certaines fédérations. Nos travaux portent sur les violences physiques, sexuelles ou psychologiques dans le sport, les discriminations sexuelles et raciales et les problématiques liées à la gouvernance financière des organismes de gouvernance du monde sportif. Vous avez notamment été chargé par l'Église catholique de présider la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Cette commission avait pour objectif de mieux saisir l'ampleur des abus sexuels dans l'Église, de proposer des pistes pour les traiter et d'émettre des recommandations pour prévenir leur réitération et réparer leurs conséquences. Votre nom est revenu à plusieurs reprises au fil de nos auditions. Le rapport rendu en octobre 2021 par la commission que vous présidez comporte notamment des statistiques intéressantes sur lesquelles nous serions intéressés de vous entendre, s'agissant des violences sexuelles sur mineurs, particulièrement. N'avons-nous pas le devoir de recenser le nombre de victimes au sein du mouvement sportif et de voir comment nous pouvons contribuer à une réparation À indiquer devant nous, Brigitte. Madame, devant nous la Commission, Madame Brigitte Hendriques, pardon ancienne présidente du Comité national olympique et sportif, en se référant aux travaux de la CIAS. Monsieur Edouard Durand, président de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, donc la CIVIS, a comparé la relation qui peut s'instaurer entre un sportif mineur et son entraîneur à celle qui peut exister entre un prêtre et un mineur. Y a-t-il des préconisations de votre rapport dont notre commission pourrait s'inspirer pour libérer la parole et améliorer le cadre destiné à prévenir, détecter, sanctionner les violences dans le sport Vous présidez également le comité d'éthique des Jeux olympiques de Paris 2024 et nous pourrons également vous entendre sur l'activité de ce comité. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'assemblée nationale, avant de vous laisser la parole et entamer nos échanges pendant environ une heure. je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. je vous invite donc à lever la main droite et à dire je le jure après avoir activé votre micro, s'il vous plaît. je le jure. je vous remercie, monsieur le président, et vous avez la parole. J'ai scrupule à m'exprimer sur le sujet de la gouvernance des fédérations sportives. Je n'ai absolument pas de légitimité et d'expérience en la matière et j'ai eu l'occasion de l'exposer aux administrateurs de votre commission d'enquête. Par ailleurs, ma, ma récente et temporaire mission de président des comités d'éthique des Jeux olympiques et paralympiques de Paris dans la branche comité d'organisation d'une part et dans la branche société de livraison des ouvrages olympiques, euh, ne m'ont pas euh, donné une grande connaissance, en réalité, de la, de la gouvernance du mouvement sportif. Maintenant, euh, sur l'organisation des Jeux olympiques, évidemment, je suis devenu très, très familier, compétent et, et pointu. En revanche, sur l'organisation du sport, je suis toujours un peu novice. Ces remarques préalables étant faites, je voudrais en venir aux questions que vous m'avez posées. Il y a un risque qui doit être prévenu dans le domaine du sport, c'est celui des violences de toute nature, et notamment celui des violences sexuelles et sexistes. Le premier risque que j'ai identifié... Euh, C'est le, le risque d'atteinte euh, à la probité, à l'intégrité. Euh, ce sont les problèmes de conflits d'intérêts qui peuvent d'ailleurs aussi déboucher sur des actes de corruption. Alors, je ne suis pas de ceux qui considèrent l'école, le sport ou les familles comme pathogènes par principe. Mais il faut être lucide sur le fait qu'aujourd'hui, encore 160 000 mineurs sont chaque année victimes de violences sexuelles dans tous les milieux et que, si l'on regarde euh, la population majeure en France, 5 400 000 personnes ont, selon l'enquête menée par l'Inserm avec l'appui de l'IFOP, à la demande de la commission que j'ai présidée, la Ciaz, ont subi des agressions sexuelles pendant leur minorité. Chaque enquête, D'ailleurs, depuis 2008, confirmant et aggravant les résultats de la précédente, à mesure que la parole des adultes se libère. Je voudrais dire donc que dans la population majeure résidente en France, plus de 10,5% allèguent avoir subi des agressions sexuelles, c'est-à-dire un peu plus de 6% des hommes et 14% des femmes. La moitié de ces violences ont été commises dans un cercle familial et amical, confère par exemple le film Les chatouilles d'Andrea Bescon. 216 000 l'ont été, plus ou moins 40 000, dans l'Église catholique, et 360 000, soit 6% du total, si on... Ajoutent aux agressions commises par les prêtres, les religieux ou les religieuses, des agressions commises par des laïcs en mission d'église. Mais le sport, comme l'école, comme les accueils collectifs de mineurs, colonies de vacances, centres aérés, etc., ne sont pas absents de ce bidon qui figure expressément dans notre rapport remis le 5 octobre 2021. Il y a environ, dans la population majeure en France, 180 000 personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles dans l'école publique, plus de 100 000, respectivement, pour le sport et pour les accueils collectifs de mineurs. Ce n'est pas 100 000 pour deux, c'est 100 000, plus de 100 000 pour le sport et plus de 100 000 pour l'économie de vacances l'Ato saint -Sud. Certes, on peut soutenir, comme cela a été fait par certains cercles catholiques conservateurs, encore récemment d'ailleurs en Espagne, que les chiffres de la commission que j'ai présidée ont été délibérément et artificiellement gonflés pour mettre à genoux SIC, l'Église catholique, et lui imposer l'agenda de réforme de la commission que j'ai présidée. Mais les expertises externes que nous avons commanditées, notamment auprès de l'INSEE et de l'INED, sur nos travaux, en ont confirmé la validité et aucune autre étude n'est venue en invalider les résultats depuis maintenant plus de deux ans. Je dois dire que les quelques articles que j'ai lus qui contestent nos analyses sont des articles pétris de complotisme, de vérité alternative et de déni. Ce qui constitue un désastre social majeur ne peut pas rester sans réponse. Il me semble par conséquent que dans toutes les instances accueillant des mineurs, il est indispensable de mettre en place des dispositifs de recueil des signalements, d'écoute et d'enquête interne pour les actes de maltraitance. Il me semble que de tels dispositifs ont déjà été mis en place dans le domaine du sport, si je lis notamment quelques comptes rendus d'audition que j'ai pu voir dans la presse. Pour des raisons de simplicité pour les appelants et plus largement de crédibilité de ces dispositifs, ceux-ci devraient, s'ils n'ont pas encore été créés, être mis en place à un niveau fédéral ou même interfédéral, voire à celui du, au niveau du ministère des Sports. Si le sujet des violences sexuelles est le plus sensible et le plus urgent à prévenir et régler. L'écoute des personnes et le recueil des signalements doivent s'étendre aux situations de harcèlement, aux violences sexistes et à tous les actes attentatoires à la dignité des personnes. Ces dispositifs <coughs> doivent non seulement exister, oui, euh, malheureusement j'ai une bronchite, et doivent non seulement exister, mais être visibles, aisément accessibles apte à écouter avec tact et professionnalisme les appelants, et capable de déclencher des réponses rapides, notamment des enquêtes internes indépendantes, que la justice pénale ait été saisie ou pas. La prévention et le signalement des mauvais traitements actuels ne devraient, ne sauraient cependant, à mes yeux, suffire. Il me semble en effet nécessaire au regard des conséquences de long terme de ces actes, en particulier des violences sexuelles, de mettre en lumière ce qui s'est passé au cours des décennies écoulées et d'instituer des mécanismes de reconnaissance et de réparation des violences subies lorsque la justice ne peut plus être saisie pour des raisons d'ancienneté des faits et de prescription des infractions. Les victimes des maltraitances et des violences du passé devraient, selon moi, être également écoutés, reconnus et recevoir une forme de réparation adaptée. Cette étape me semble indispensable à la reconstruction de personnes qui ont été profondément blessées par ce qu'elles ont vécu. Or, contrairement aux attentes qui étaient les miennes, lorsque j'ai rendu public le rapport sur les violences sexuelles dans l'Église catholique, absolument rien de sérieux n'a été engagé sur le thème des violences sexuelles passées dans l'ensemble des structures d'accueil des mineurs, qu'il s'agisse du sport, mais aussi de l'école, de la protection de l'enfance, des mouvements de jeunesse, de l'éducation artistique, des accueils collectifs de mineurs et même des autres cultes. Alors que, alors que les conséquences de ces violences pour les mineurs qui les ont subies ont été et restent dans plus de la moitié des cas graves. Ou très grave, d'après notamment euh, <coughs> les enquêtes que nous avons menées. Mon sentiment est que l'inaction dans ce domaine s'est doublée d'une forme d'hypocrisie, car à chaque révélation de violence passée, on assiste au même jeu de rôle interprété à la perfection. On prend des mines éplorées les pouvoirs publics affichent leur indignation. Et leur réprobation, dans les termes les plus sévères, leur compassion aussi pour les victimes, euh, avec le plein appui de l'opinion, ils désignent à la vindicte quelques boucs émissaires, le plus souvent des entraîneurs sportifs, plus rarement tel président de fédération qui a été particulièrement défaillant. Mais ce jeu de rôle, entre guillemets, évite de se confronter aux véritables problème et de mettre à plat un passé bien plus sombre que les quelques affaires révélées ici ou là par les rares victimes en capacité de parler publiquement de ce qui leur est arrivé et de s'adresser à l'opinion. Il permet aussi de se voiler la face sur l'ampleur du mal et de ses conséquences ainsi que sur les défaillances systémiques qui ont pu se produire dans les différents milieux. Enfin, il n'apporte pas de réponse pertinente aux problèmes et aux souffrances qu'un très grand nombre de victimes de violences sexuelles Vivent sur une longue période. Selon moi, par conséquent, seule une commission d'établissement des faits dans chaque grande institution publique ou privée d'accueil des mineurs serait à la hauteur des problèmes posés. Cette étape est en effet indispensable à l'engagement d'une démarche de reconnaissance et de réparation des conséquences des abus commis. Et donc je forme le vœu que votre commission d'enquête, notamment puisse prendre position sur ces sujets. Je vous remercie. Puisse reprendre le micro ici. Merci. Euh Peut-être je vais commencer par une question concernant euh, la commission indépendante euh, par rapport à l'Église, donc euh, la CIAS, puisque c'est une commission in indépendante. Euh, il y a eu des outils qui ont été mis en place, notamment, je pense, à Signal Sport par le ministère des Sports pour le recueil des signalements et des finalement de, des victimes dans le mouvement sportif. Et euh, au vu des différentes auditions qu'on a pu avoir euh, dans le cadre de cette commission d'enquête, on a parfois le sentiment que le sport, ou en tout cas les fédérations, ont du mal, ou auront du mal à se réformer d'elles-mêmes pour avancer sur ces questions. Est-ce que vous pensez, d'ailleurs ça a été quelquefois proposé dans le cadre de cette commission d'enquête, qu'une commission indépendante ou qu'une entité indépendante en charge de ces questions de violence dans le mouvement sportif euh, est une solution, euh, justement pour permettre euh, de traiter au bon niveau ou de la bonne manière peut-être, euh, voilà, toutes ces affaires de violence dans le mouvement sportif Oui, je, je pense, enfin, vous avez bien compris que pour moi, euh, il y a deux enjeux de niveaux différents. C'est avoir donc un dispositif ou des dispositifs qui, dans toutes les structures d'accueil des mineurs, soient des dispositifs d'accueil et d'écoute continue de tout ce qui peut dysfonctionner. Euh, on a vu notamment, par exemple, en matière de harcèlement scolaire, je dirais le, le besoin d'une telle écoute. Ça, c'est la première branche. C'est véritablement le service minimum qui s'impose avec une particulière nécessité ou urgence si ça n'a pas été fait. Et honnêtement, je ne suis pas très au clair sur euh, l'existence, l'absence. Et l'efficacité de ce type de dispositif dans le mouvement sportif. Mais il y a une deuxième branche, c'est l'impérieuse nécessité, je dirais, de faire face au passé. Au passé, il y a une profondeur du champ. Vous savez, quand j'ai présidé la Commission sur les abus sexuels dans l'Église catholique, c'était depuis le début des années 50, j'ai reçu une lettre d'une personne qui avait mon adresse. Et qui me parle de ce qui lui est arrivé dans un pensionnat des Yvelines dans des années d'occupation, entre 1941 et 1944. Bon. Voilà, il y a un passé qui ne passe pas. Et ce passé, il faut savoir le regarder et en tirer les conséquences. D'où, je dirais, ma deuxième proposition. C'est un dispositif, en réalité, d'enquête sur le passé. À mon avis. Ces deux dispositifs doivent être indépendants. Naturellement, ils doivent être financés par, selon le cas, ça peut être le mouvement sportif, ça peut être des cultes, ça peut être l'école, l'école publique, mais être financé par, ça ne veut pas dire dépendre d'eux au jour le jour. Faut naturellement que les deux dispositifs, je dirais, d'écoute au fil de l'eau de toutes les alertes sur des violences qui peuvent être commises et d'enquête et d'état des lieux sur le passé, soient vraiment indépendants, comme notre commission était indépendante. Moi, j'ai été nommé par la Conférence des évêques et la Conférence des religieux et religieuses, donc par des instances catholiques, mais. J'avais un budget, c'est la seule fois de ma vie où j'ai pu travailler à budget ouvert. Je n'avais pas de plafond. Bien. Et j'ai pu m'organiser comme je le souhaitais. Et donc, il faut naturellement que les, les instances qui existent soient, je dirais, totalement maîtresses de leur ordre du jour, de leur méthode de travail. Et qu'elle puisse, voilà, avancer sans interférence d'un quelconque pouvoir hiérarchique, fédéral, interfédéral ou ministériel. Ça, c'est absolument essentiel. Et naturellement, en tant que euh, soit dans la mise à jour du passé, soit dans l'écoute quotidienne de ce qui se passe, si la ou les commissions euh, sont conduites à faire des constatations. Euh, bah, il faut d'abord remédier à chacun individuel, mais aussi euh, proposer, enfin, faire un diagnostic et, le cas échéant, proposer des solutions euh, et, et, et proposer des, des solutions qui soient euh, publiquement présentées. Enfin, je... et à ce moment-là, moment euh, oui, bien sûr, s'il y a des, des commissions indépendantes qui s'expriment, qui font des recommandations, euh, que, avec des recommandations publiques, ben, après, euh, je veux dire, euh, le mouvement sportif en tirera des conséquences, comme euh, d'ailleurs, euh, en ce qui me concerne, l'Église catholique euh, tire ou non les conséquences des recommandations qu'on a faites. Et tout ça se fait au vu et au su de tout le public. Et, euh, et à ce moment-là, je veux dire, les pouvoirs sportifs, comme tous les autres pouvoirs, retrouvent pleinement leurs responsabilités. Parce que les commissions indépendantes, c'est bien, mais il y a aussi un moment où euh, il faut donner un espace propre à la gouvernance des organes concernés. Comment juridiquement agir à l'encontre de ceux qui savent mais n'ont rien dit ou protéger ceux qui parlent et qui peuvent être sanctionnés Oui. Je, je, je pense qu'il y a quand même le, le code pénal. Euh, le code pénal, quand même, permet, alors j'ai oublié le, euh, le numéro des articles, mais il permet de sanctionner pénalement et de poursuivre. Des personnes qui informaient de mauvais traitements sur des mineurs ou des personnes vulnérables euh, se sont abstenues euh, de tout acte utile. Par ailleurs, le même code pénal euh, a institué institue un délit euh, pour les personnes qui, euh, connaissant un crime, ne l'ont pas dénoncé alors que le crime pouvait être réitéré. Autrement dit, on a plutôt surabondance de bases juridiques qu'insuffisance de bases juridiques pour euh, poursuivre les, euh, les personnes qui ont été informées, qui ont su et qui n'ont rien fait. Alors, est-ce que sur ce sujet, il faut prévoir des règles particulières, notamment de prescription Nous avons considéré que pour les crimes sexuels, le législateur, je crois que c'est en dernier lieu, en 2018 ou 2017 Non, c'est pas en 2017, c'est en 2018 ou 2019, a prorogé les délais de, de prescription, notamment pour qu'en matière criminelle, euh, ce délai d'abord commence à courir à l'âge de la majorité et qu'il soit porté de 20 à 30 ans. Ce qui fait qu'un mineur victime de violences sexuelles pendant son enfance peut jusqu'à l'âge de 48 ans euh, dénoncer et provoquer des poursuites. Fallait-il aller plus loin nous y avons réfléchi dans le cadre de la commission sur les abus sexuels dans l'Église et euh, nous sommes arrivés à la conclusion, en dépit de l'avis très majoritaire et même quasiment unanime des associations de victimes, euh, qu'il fallait euh, s'abstenir euh, de, de créer en fait une imprescriptibilité pour ce type de crime, pensant, et nous en avons fait euh, l'expérience, qu'il est extrêmement difficile, en la matière déjà, de venir, plusieurs dizaines d'années après des faits, établir leur matérialité et obtenir la condamnation. Par conséquent, euh, l'intime conviction de la commission que j'ai présidée, la mienne également, euh, c'est que euh, de tels dispositifs d'imprescriptibilité euh, ne peuvent qu'ajouter de la souffrance à la souffrance, euh, notamment avec, euh, je dirais, le déroulement des enquêtes pénales, même si ce déroulement est devenu euh, infiniment plus adapté qu'il n'était il y a 10, 20 ou 30 ans. Mais euh, une enquête pénale est, est quelque chose devant euh, d'abord la police judiciaire, puis le juge d'instruction, enfin la juridiction de jugement. C'est une épreuve insoutenable pour beaucoup de victimes et, in fine, le risque est tout de même élevé, nous a-t-il semblé, euh, qu'on ne puisse pas rapporter la preuve d'agissement euh, dont, euh, je dirais, la nature même fait qu'il ne laisse pas. De traces, à la différence, je dirais, des coups et blessures, euh, des crimes de sang. Euh, et, et par conséquent, euh, voilà, pas d'imprescriptibilité. Et nous avons pris la même position pour les délits euh, qui sanctionnent l'absence de euh, dénonciation des auteurs d'infractions, de crimes ou de mauvais traitements euh, portés sur des enfants et des personnes vulnérables. Voilà, euh, alors qu'est-ce qu'il faut faire euh, Nous, il nous est apparu euh, bien plus adapté, et ceci nous a été euh, reproché avec beaucoup de vigueur par, euh, encore une fois, un certain nombre de milieux catholiques et même des conférences épiscopales étrangères il est bien préférable de mettre en place, en réalité, des dispositifs autonomes de reconnaissance et de réparation. Parce qu'on sort des débats sur la prescription et on peut faire une évaluation qui n'est pas une évaluation judiciaire. Parce que l'évaluation judiciaire, son but, c'est de caractériser une infraction, mais c'est de condamner un auteur. Or, les auteurs aussi, dans l'affaire dont je me suis occupé, avaient disparu ou étaient hors d'âge dans une majorité de cas. Et le sujet, en réalité, ça n'est plus de condamner pénalement des non-agénères à supposer qu'on le puisse parce que prescription parce que problème de preuve le problème c'est d'apporter une réponse pertinente aux victimes et de faire en sorte qu'une victime soit reconnue victime et j'ai entendu et j'ai lu enfin des écrits de personnes d'une mauvaise foi inouïe dire que la Siaz avait euh, recommander de condamner des personnes. Nous ne condamnons personne. Nous ne nommons personne. Nous ne nommons aucun coupable. Nous reconnaissons, en revanche, que des personnes ont été victimes. Oui. Eh bien, ça, ce travail-là, on, on peut le faire et, et sans se heurter à ce parcours du combattant, euh, j'allais dire des dispositions euh, du code pénal, du code de procédure pénale et le cas échéant des règles de la prescription civile. Je voudrais rappeler quand même que les règles de la prescription civile ne commencent à courir qu'à compter de la consolidation des dommages. Et en la matière, euh, l'expérience que j'ai acquise, euh, c'est que euh, le point de départ du délai de prescription civile n'est pas toujours aisé à fixer. Pas aisé, et souvent très tardif. Alors, euh, maintenant sur les... Ça, je vais parler des victimes. Venons-en aux personnes qui n'ont rien fait, alors qu'elles savaient. Donc il y a la branche poursuite pénale, très bien, euh, et euh, il faut se garder de, de la considérer comme euh, nulle et non avenue. Et puis euh, pour le surplus, euh, bah, nous avons tous euh, une responsabilité civique et sociale. Il n'est pas interdit, il n'est pas interdit, puisque là. Je m'adresse à une commission d'enquête qui travaille sur euh, le mouvement sportif, mais de mettre en place sur des affaires déterminées des commissions d'enquête internes pour voilà, évaluer ce qui s'est passé. J'ai <coughs> parlé de dispositifs indépendants d'écoute des victimes, mais ces dispositifs indépendants peuvent, sur des cas particuliers, déboucher sur des enquêtes internes qui mettront à jour des défaillances graves euh, de personnes qui savaient qu'ils n'ont rien fait. Et, et on peut en tirer les conséquences de, de différentes manières. Vous savez, il euh, n'y a pas de prescription des fautes disciplinaires. C'est-à-dire, quelqu'un qui a commis une faute disciplinaire, ben, euh, <coughs> on ne va pas dire le délai de cinq ans s'est écoulé et c'est terminé. Non! On doit pouvoir sanctionner euh, des, des errements, puis, voilà, et tout le monde doit répondre de ses actes. Tout le monde doit répondre de ses actes. Alors, peut-être juste pour euh, préciser là-dessus, euh, sur euh, des personnes qui ont... Alors nous, peut-être pour reprendre un peu la manière dont se sont aussi déroulés euh, les travaux, c'est que... La plupart des victimes qu'on a pu entendre ici euh, sont des personnes qui ont, été, euh, qui ont subi des violences sexuelles qui étaient très jeunes et qui ont témoigné très longtemps après. Donc elles ont mis énormément de temps à pouvoir euh, euh, témoigner de ce qu'elles ont vécu. Pour certaines d'entre elles d'ailleurs, elles avaient témoigné, en tout cas elles en avaient parlé au moment où les faits se sont produits, elles n'ont jamais été entendues et il ne s'est jamais rien passé. Donc la première question c'est pour les personnes qui étaient au courant. Même si derrière il y a un classement sans suite pour prescription ou autre, ça veut dire qu'il n'y a pas de délai de prescription sur la faute qui a été de ne pas dénoncer. Donc, juste pour préciser, est-ce que c'est bien le cas ou pas Et euh, il y a une autre proposition qui a été faite dans le cadre de cette commission c'est la reconnaissance de l'amnésie traumatique. Euh, est-ce que, pareil, sur la, euh, sur, euh, à ce sujet-là, vous auriez euh, bah, du coup un avis sur la euh, reconnaissance ou pas euh, Parce qu'on a aussi évoqué l'imprescriptibilité des viols sur mineurs. Euh, donc, j'entends que. La décision n'a pas été dans ce sens, mais voilà, ce sont des questions aussi qui se sont posées à nous dans le cadre de cette commission. La première parade que vous avez envisagée avant l'amnésie traumatique, c'était... La première question, c'était, euh, depuis plusieurs semaines maintenant, on a reçu ici des présidents de fédération, des personnes du monde sportif qui nous indiquent... Euh, ça se savait, tout le monde était au courant, il y avait des bruits, etc. Sauf qu'ils n'ont pas déclenché d'enquête, ni interne ni autre, pas de signalement au titre de l'article 40. Euh, et parfois, certaines affaires, quand elles ont été traitées par la justice parce que la victime a fini par aller porter plainte, euh, elles sont classées sans suite. Ma question, c'est est-ce que ces personnes, même si l'affaire a été classée sans suite, est-ce qu'on peut toujours les poursuivre pour... Euh, non assistance à personne en danger pour le fait de ne pas avoir signalé ou de ne pas avoir diligenté des enquêtes internes alors qu'elles en avaient la responsabilité. Alors euh, enfin, ce, que, ce que vous rapportez fait tellement penser à ce qui s'est passé dans d'autres contextes institutionnels au sens cela se savait, il y avait des bruits, euh, les enfants en parlaient entre eux d'ailleurs, euh, mais euh, en réalité, personne ne faisait rien. Euh, et donc, vous le dites, pas d'enquête interne. Et aujourd'hui, quand on va au pénal, classement sans suite, parce que, parce que les éléments constitutifs de l'infraction sont extraordinairement difficiles à rapporter. Alors, quand on est dans ce contexte, c'est une impasse. Je ne vois pas comment, après le classement sans suite de faits pouvant être constitutifs d'infractions, on puisse poursuivre sur le plan pénal des personnes au motif qu'elles savaient. Je veux dire, à la fin, savaient quoi Savaient qu'il y avait des infractions. S'il y a des infractions, les infractions sont constatées. Si les infractions ne sont pas constatées, je veux dire, on ne va pas pouvoir poursuivre pénalement, enfin, sous réserve de cas d'espèce que j'arrive même pas à concevoir, et on ne va pas pouvoir euh, condamner pénalement, en tout cas poursuivre avec une chance sérieuse de renvoi devant une juridiction de jugement et une condamnation. On, on ne peut pas arriver à, la, à une condamnation de, de personne qui a entendu parler de bruit. En revanche, moi je pense que... Euh, il y a des conséquences à tirer en dehors du champ pénal euh, sur euh, les responsabilités qu'on confie à une personne. Alors, vous comprenez, si c'était il y a 30 ans, honnêtement, je pense que tous les acteurs sont rangés des voitures. Donc, c'est terminé. Mais si ce sont des faits tout de même euh, récents, pas trop anciens, même. S'ils n'ont pas été constatés pénalement, mais qu'on est dans un contexte de, de, de rumeurs, de, de dénonciations qui ont été faites, qui n'ont pas eu de suite, à mon avis, on peut en tirer des conséquences sur, aujourd'hui, les responsabilités qui peuvent être conférées aux personnes concernées. On n'est pas obligé de les faire passer par la case du box du tribunal correctionnel. Euh, vous voyez bien, euh, pour des faits qui se sont produits il y a 15 ou 20 ans, hein, c'est assez longtemps, mais avec des personnes qui aujourd'hui sont toujours en responsabilité, en l'absence responsabilité, en même, même de condamnation pénale de ces personnes en responsabilité, on peut tout de même euh, regarder les faits les signaux qui ont été adressés et euh, une espèce de forme de carence, de carence généralisée. Il me semble que euh, dans beaucoup d'institutions publiques ou privées, on ne fait pas ou on ne ferait pas autrement. On ne ferait pas autrement. Euh, et, euh, et, et il faut euh, tout de même en tirer les conséquences, surtout euh, si les personnes concernées... Euh, ont toujours un rôle actif à jouer dans le champ sportif qui est l'objet de vos préoccupations. Alors, l'amnésie traumatique, je n'ai aucun doute, aucun doute, alors que je n'ai aucune compétence ni en matière médicale, ni en matière de psychiatrie, de psychanalyse, mais elle existe. C'est une évidence. Euh, et donc et spécialement dans, dans, dans cette matière. Une des raisons pour lesquelles le législateur a reporté de 20 à 30 ans euh, la prescription, si je me souviens bien des débats de cette époque, euh, c'est parce qu'un certain nombre de personnes, en particulier des femmes, euh, revivent ou se réapproprient leur passé au moment où leurs propres enfants ont l'âge qu'elles avaient lorsqu'elles ont été agressées. Autrement dit, une femme, on va dire, de 40 ans ou 45 ans, qui a une fille de 10 à 13 ans, au moment où sa fille a 10, 13, 14 ans, elle peut, je dirais, en tant que mère, retrouver ce qu'elle a vécu à l'âge euh, auquel elle a été victime parce qu'elle a un fils ou une fille de cet âge-là. Ça, je, je crois tout à fait à, à la pertinence de, de cela. Est-ce que euh, ça doit conduire à un allongement du délai de prescription au-delà de ce qu'il est 30 ans Parce qu'au-delà de 30 ans, je suis être clair, c'est l'imprescriptibilité. Euh, je, je ne le pense pas. Enfin, notre rapport, je, je vous y renvoie, on a pesé vraiment euh, tout à fait de, les, les, les arguments. Euh, vraiment en conscience, je crois que ce serait un mauvais choix. Et, et je l'ai complètement assumé euh, devant les associations de victimes et, et ce qu'on a appelé le groupe victime euh, de la CIAS, qui était un peu notre interlocuteur et vis-à-vis -vis duquel il y a eu tout un débat en amont et vis-à-vis -vis duquel, moi, j'ai présenté le rapport en aval avant même qu'il ne soit rendu public. Alors, moi, je voudrais euh, peut-être revenir, euh, parce que vous avez évoqué à plusieurs reprises la notion de réparation. Euh, C'est aussi euh, quelque chose euh, qu'on a entendu euh, de la part des victimes dans le cadre de ces auditions. Euh, je vous avoue qu'on est en réflexion aussi euh, là-dessus, sur ce que pourrait être la réparation. Nous, on a vu euh, bon, des victimes qui ont eu beaucoup de mal, et d'ailleurs pour certaines d'entre elles qui ne se sont toujours pas reconstruites, euh, qui ont trouvé peu d'accompagnement et de soutien de la part de leur mouvement sportif ou de leur fédération ou de leur club. Et qui ont eu de grandes difficultés à avoir une aide de l'ordre psychologique, parfois aussi, pour pouvoir se reconstruire et finalement aller de l'avant. Donc peut-être revenir sur cette notion de réparation et comment est-ce qu'elle prendrait forme finalement pour ces victimes. Là, je pense que en la matière. Et sans vouloir euh, à nouveau ramener sur la table les propositions de la commission que j'ai présidée, il faut faire du neuf. Il faut créer quelque chose, ex nihilo. Il hein n'y euh, a rien sur les étagères. Moi, je pense que la première chose dont les victimes ont besoin, c'est d'être reconnues comme victimes. Hein et il m'est arrivé euh, dans les nombreuses auditions euh, que, que j'ai faites, et, et dont je ne me suis pas euh, complètement remis. Euh, il m'est arrivé de poser, on faisait toujours les auditions binômes, un homme, une femme, euh, et euh, de poser à, à la fin bon, la, la question. Euh, voilà, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui Et notamment, qu'est-ce que vous attendez aussi de la commission qui, qui vous a entendu et il y a eu des réponses très touchantes, très bouleversantes. Ce que j'attendais, et je croyais que c'était inaccessible, c'était de pouvoir parler, d'être entendu et d'être visiblement cru. Et ça, vous me l'avez donné. Vous nous l'avez donné. Bon, c'est des auditions, ça dure deux heures, deux heures et demie, il faut prendre le temps, il faut dire, un minimum d'empathie quand même. C'est pas. Même quand on a fait l'école nationale d'administration, on peut être capable de, 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 de ce mouvement d'empathie. Enfin, je... Ça, c'est la reconnaissance. Mais cette reconnaissance, au-delà des auditions que nous avons faites, euh, elle est aujourd'hui euh, en cours de déploiement par les deux commissions indépendantes qui ont été mises en place par l'Église catholique, l'INIR, l'Institution nationale indépendante de reconnaissance et de réparation. Pour les violences sexuelles commises par des prêtres diocésains, et la commission, la CRR, la commission de reconnaissance et de réparation, qui a été mise en place, elle, par la conférence des religieux et religieuses de France, pour les victimes des membres des congrégations. Et, et donc, il y a ce, ce travail de, de reconnaissance qui, qui se fait, euh, là, depuis euh, les instances ont été mises en place dans le principe en novembre 2021. Elles ont commencé à travailler effectivement au printemps de 2022. Ça fait 18 mois que euh, les instances fonctionnent et il y a à l'heure actuelle un peu plus de 2000 demandes de reconnaissance et de réparation qui ont été faites. Alors au-delà euh, de la reconnaissance, il y a la question de la réparation. Et dans une approche de justice restaurative et en ligne avec les recommandations de la Commission, euh, euh, nous avons considérer que la réparation euh, ne devait pas exclure l'argent, mais ne pouvait pas non plus uniquement se réduire ou se limiter au versement d'une somme d'argent. Et donc il faut, à partir, euh, je dirais, d'un récit, euh, d'une prise de conscience des conséquences des, des violences sexuelles, euh, aussi d'un barème, parce qu'à la fin, il faut tout de même un barème. Euh, à, il y a une grille d'évaluation qui est une grille d'ailleurs transversale pour l'ensemble des, des victimes de l'Église catholique qui a été mise en place et qui permet euh, de tenir compte euh, des conséquences dommageables des actes qui ont été commis. Alors, c'est une grille qui, d'ailleurs, quand on voit euh, ce que sont euh, les réparations versées par le fonds de garantie. Des victimes euh, d'infractions dont l'auteur est insolvable ou inconnu, euh, les réparations, le, le barème des, des, des réparations des, des instances mises en place par l'Église catholique euh, est plus favorable que ce que fait le Fonds de garantie des victimes. Alors, le Fonds de garantie des victimes, lui, il n'a pas de barème, mais on voit bien ce que sont les indemnisations moyennes pour une agression sexuelle de nature délictuelle et d'autre part une agression criminelle et, et donc là il y a un moment où il faut et par exemple vous comprenez moi, enfin moi ce que j'ai vraiment découvert euh, c'est je dirais la disproportion et l'absence de connexion entre les actes commis et les conséquences quand on a été formé à la rude discipline du code pénal, on se dit bah voilà, il y a des infractions, euh, contraventions de cinquième classe, le délit, le délit de puni de trois ans, cinq ans, dix ans, et puis après le crime. Et, euh, bon, euh, c'est vrai que les conséquences d'un crime sont en général euh, bien plus graves que les conséquences d'un délit, mais tout n'est pas automatique. Il faut aussi prendre en compte notamment la question des soins. Et, euh, soit dit en passant, euh, il y a euh, un document qui a été émis euh, par le pape François au début du mois de mai 2020, je crois, euh, et qui, dans les obligations de réparation, insiste sur le soin, quand on sait ce que coûte la prise en charge psychiatrique psychothérapeutique des victimes d'abus sexuels là je veux dire face à mes détracteurs disant euh, cette commission est complètement irresponsable elle ne vise qu'un seul but aussi c'est de ruiner l'église catholique réponse mais prenez-vous en au pape nous sommes en deçà de ces recommandations nous sommes en deçà de ces recommandations j'ai oublié le, le titre qui est un titre latin, bien sûr, de la euh, du, du document en question, mais c'est c'est saisissant. Enfin, quand on voit ça, on se dit qu'on est on est très 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 en deçà d'une réparation en fait intégrale. Oui, l'idée, n'est-ce pas, qui est, qui est importante dans notre rapport, c'est qu'on dit que cette réparation ne doit pas être forfaitaire au sens il y a un barème et vous avez un chèque et c'est terminé. Et notamment, moi, certaines personnes m'ont dit, si l'Église catholique croit pouvoir s'en sortir, en reconnaissant les faits, en nous faisant un chèque comme ça, on aura vraiment l'impression que c'est le prix d'une passe. Non, mais il y a une et donc, euh, je dirais, l'argent, enfin, de toute façon, ce préjudice, ce type de préjudice est irréparable. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il peut y avoir des compensations qui doivent tenir compte, autant qu'il est possible, autant qu'il est possible, des dommages et des conséquences des, des, des agressions sexuelles. Et euh, tout ça dans le cadre, effectivement, d'un barème qui, je crois, monte à 70 000, 80 000 euros. Et euh, je pense, honnêtement, que rien de ce qui a été décidé en aval du rapport que nous avons fait, et rien d'ailleurs de nos recommandations, ne s'impose à qui que ce soit, mais que ça peut être une base de réflexion et euh, je dirais de discussion pour euh, des, des structures publiques ou privées qui veulent s'attaquer à ce sujet. Mais ma, mon intime conviction, c'est qu'on ne peut pas ne rien faire. Euh, est-ce que cette grille dont vous nous, parlez, dont vous nous avez parlé, est-ce qu'elle est publique Est-ce qu'on peut y avoir accès Ah oui, je, je pense qu'elle <coughs> existe. Et euh, euh, notamment, <coughs> notamment son, son plafond. Il y a eu quelques controverses au mois de janvier de cette année à la suite d'une émission de télévision euh, sur... Euh, euh, je dirais le thème, euh, l'Église catholique ne veut pas payer, etc., etc. Et à ce moment-là, on a parlé du plafond. Euh, il faut demander euh, à la présidente de l'INIR ou au président de la CRR euh, la communication de ce document. Mais je, je ne pense pas que ce document ait euh, un quelconque caractère secret. Quant à mon titre, je ne suis plus président de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, je suis ancien président. La commission a remis son rapport le, 3, le 5 octobre 2021, comme vous l'avez rappelé, et désormais, elle n'a plus aucune activité. Et notamment, elle n'est pas chargée du suivi de ses recommandations, et elle a pris bien soin. Dans le rapport que nous avons remis le 5 octobre 2021, de dire que notre mission s'arrêtait. On, on s'occupe uniquement euh, de la question, euh, je dirais, euh, de nos archives. Nous avons toujours un suivi parce qu'il y a des, des demandes d'accès à nos archives qui ont été versées aux archives nationales. Ça, c'est la première chose. Et, et la deuxième chose, il y a une sorte de, je dirais, de droit moral sur ce que nous avons fait. Et de temps en temps, nous prenons collectivement position pour justifier des affirmations que nous avons faites. Nous avons auditionné M. Edouard Durand, comme je vous le disais dans les propos liminaires, le président de la Civise, qui souhaite voir pérenniser sa, sa commission indépendante. Qu'en pensez-vous la proposition d'Édouard Durand est contre-intuitive, euh, mais euh, je pense qu'elle qu répond à euh, un besoin. La Civise a identifié, a entendu près de 30 000 victimes d'agressions sexuelles, dans tous les cadres essentiellement la famille. La famille et les amis de la famille, c'est 50% des, des agressions. Et je pense que euh, ce travail, à mon avis, doit être poursuivi. Il est important que les victimes soient accompagnées, car euh, nous avons un appareil médical euh, qui est formidable, de prévention. Mais cette question des violences sexuelles sur mineurs est tellement grave. Elle a été tellement occultée, puis sous-estimée, euh, qu'il n'y a pas de commune mesure entre le coût du maintien de la prolongation de cette commission euh, et, je veux dire, les, les, les bénéfices. Euh, C'est pas des bénéfices politiques, ce sont mais, mais des bénéfices réels, invisibles. Je pense aussi même sur nos comptes publics et nos comptes sociaux. Car euh, euh, cette affaire, ce euh, n'est pas uniquement euh, la constellation ou la juxtaposition de malheurs individuels. C'est aussi, c'est un désastre collectif qui a un grand impact sur notre système de santé, notre système de soins. Et venir dire qu'il bah, y a un ministère de la Santé, qu'il y a des ARS, qu'il y a euh, l'assurance maladie, etc., je veux bien, oui, bien sûr, mais je pense que de temps en temps, pour euh, des affections ou euh, des, euh, comment, des, des, des séismes de, de la nature ou de l'ampleur des, des abus sexuels, il y a besoin, pendant une certaine durée, que je ne qualifierais pas, est-ce que c'est 5 ans, est-ce que c'est plus euh, il y a besoin de, de, de maintenir euh, cette structure et je suis donc euh, en total euh, accord avec Édouard Durand. Oui, vous souhaitiez intervenir à nouveau Non Donc, nous vous remercions de votre participation à cette commission d'enquête. Vous n'hésitez pas, bien évidemment. À revenir vers nous si vous avez euh, des compléments d'information ou des propositions également concrètes à, à nous transmettre euh, à cette commission d'enquête. Je vous transmettrai mon exposé liminaire. Merci beaucoup.